Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Sébastien. Bonjour Franck. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le chat et qui sont avec nous en direct. Bienvenue à tous les autres, ceux qui sont avec nous sur le replay et qui n'ont pas la chance d'être aujourd'hui, le mardi 28 novembre à 10h30. Alors je pense que ces gens-là, on les appelle juste des gens qui ont un travail. Hein. Je pense qu'on est vraiment à l'heure des chômeurs. Est-ce que tu veux vraiment rappeler à tous les gens qui sont avec nous en direct qu'ils devraient retourner à leur boulot? T'as des gens qui bossent en prod pour toi là maintenant et que t'aimerais mieux voir Les gens qui bossent en prod sur Mythomaine, je pense qu'ils ne sont pas sur le chat. Je pense qu'ils sont derrière leur écran, mais qui n'osent pas se montrer. Ils ont bien raison de se cacher. Ouais, donc tout va bien. Ouais, là c'est limite de la censure, nous dit Harlem Contact, qui nous a créé un magnifique « C'est binou », mais tout en capital. D'accord. Et capital, notre bot n'aime pas trop ça. Donc ouais. Les gars, faut pas trop de smiley les uns après les autres. Vous avez le droit d'en mettre un à la fin de chaque phrase, mais pas plus. Pas de majuscules, pas de hurlements, et ça sert à rien de nous envoyer des insultes. Des insultes déjà, ouais, ça m'arrangerait que vous envoyiez pas d'insultes. Mais ne nous envoyez pas d'URL, parce que de toute façon, on ne peut pas les voir. Elles ne pourront pas être diffusées. On vous aime bien, mais je me charge de faire la partie modération avec vous. Et étant donné qu'on n'a aucun contrôle sur ce robot, hein, c'est le problème des... C'est un robot autonome, contrôlé par une IA extrêmement dangereuse. C'est ça. Elon Musk l'a dit, hein, de toute façon, si personne ne contrôle l'IA, c'est l'IA qui va nous contrôler. Alors Daniel nous demande, le sujet de la masterclass, c'est quoi au fait? Tiens, c'est vrai que je vous ai pas mis de... Si, je vous ai mis un déroulé en dessous pour que vous puissiez savoir de quoi on allait causer ensemble, mais je vais pas donner de titre. Bah non, mais on peut... Déjà, c'est une masterclass un peu mytho. Hein, on va faire des jeux de mots avec mytho, c'est le titre du film Mythomaine, mais on va parler de storytelling. Un petit peu, je pense. On va vous présenter un produit Adobe que vous avez tous dans votre Creative Cloud, mais que vous n'utilisez pas, et que presque personne n'utilise, et c'est bien dommage. Et on va vous montrer pourquoi c'est bien dommage. Alors, je crois avoir réglé l'écho pour ceux qui démarraient juste après nous. Hop. Ah. Au cas où. C'est pas super agréable l'écho, je suis assez d'accord avec vous, en général c'est pas très bien. Là où le risque le plus dangereux pour l'humanité, bah oui, c'est ça, on sait pas encore trop. Cette eau est vraiment délicieuse. Cette eau est exactement à température. Confirmez-nous combien de temps avant que ça commence. Est-ce qu'on commence par une page de pub, plein de pubs? Commençons par une page de pub. Alors, on va commencer par une page de pub, je vais vous partager mon écran, vous allez un peu mieux comprendre de quoi il retourne. Sébastien, t'as interdiction de parler pendant ce trailer. Bien sûr. Hop. J'en parle après. Voilà, c'est parti. Là où le risque le plus dangereux pour l'humanité, bah oui, c'est ça, on sait pas trop. Cette eau est vraiment délicieuse. Cette eau est vraiment à température. Vous pouvez avoir que d'un sacré témoignage. J'espère que vous aimez les herbes de Provence, les PD. Vous en aurez besoin. Commençons par une page de pub. Allez. On va commencer par une page de pub. Je vais vous partager mon écran. Vous allez un peu mieux comprendre de quoi il retourne. Vous avez l'interdiction de parler pendant ce temps. Bien sûr. J'en parle après. Voilà, c'est parti. Équipe antiterroriste. Là où le risque le plus dangereux pour l'humanité, bah oui, c'est ça, on sait pas. Cette eau est vraiment délicieuse. Cette eau est vraiment à température. Vous pouvez en voir que d'un sacré témoignage. J'espère que vous aimez les herbes de Provence, les PD. Vous en aurez besoin. Commençons par une page de pub. Allez. On va commencer sur le plan de entre les outils vaillants du service public et les mythomènes. Nous vous suivrons toujours. Bien sûr. J'en parle après. Publicité. Dans leur luxe, merci, ils vont passer à côté du vrai danger terroriste. Là où les superstars sont dans le l'humanité, bah oui, c'est pas vrai. Cette eau est vraiment délicieuse. C'est vraiment à température. Vous pouvez en voir que d'un sacré témoignage. J'espère que vous aimez les herbes de Provence, les PD. Vous en aurez besoin. Alors je vais couper le son du trailer. Je pense que vous avez compris tout ce qui était en train de se passer. Hop. Je vais baisser le son du trailer pour qu'on puisse reparler et je vais essayer de résoudre un ce petit peu problème cette histoire de d'écho parce que je pensais qu'il était sur un ordi, mais il est peut-être sur l'autre.
Non, mais moi j'ai plus de. Tiens, d'ailleurs, je vais couper le. Pas de fenêtre en double. J'ai pas de fenêtre en double. De toute façon, on a la fenêtre en double. Voilà, j'ai trouvé la fenêtre en double. Il y a plus de retours différents sur le stream. Je suis voilà. C'est il y en a plus. Normalement, là, vous devez avoir juste le bon son. Vous avez le bon son. Vous avez le bon son, du gros son. Hop. Normalement, on est pas mal. Je vous déclare mari et homme par les liens sacrés du mariage. Vous pouvez en passer. Que dalle, sale prêtre démoniaque. J'espère que vous aimez les herbes de Provence, les PD. Hein, vous en aurez besoin quand vous presserez en enfer. Je vais vous couper le son de ce trailer pour une bonne et simple raison, ça dit plein de gros mots. Et c'est ultra violent. Et vous l'avez déjà vu une fois, vous avez déjà vu les moines, vous avez déjà vu tout le reste. Donc on va pouvoir revenir sur des choses un petit peu plus... C'est vrai qu'on a dû mettre un petit hashtag not safe for work peut-être. Ah, complètement not safe for work. Il y a des gens qui s'embrassent, il y a des... C'est ça. Non mais ceci dit, j'ai bien aimé... tout le monde était préoccupé par le problème d'écho, mais j'ai bien aimé de voir ces moines se foutre le feu en plein écran avec le petit logo Adobe en bas, c'est toujours sympa. Ça c'est la partie historique, on est sponsorisé par des banques d'images historiques. Bien, donc eh bien voilà, bienvenue à tous. Ravi de... Non, on va pas relancer tout le trailer. Vous irez rechercher le trailer sur le site mytho.mn que je vous passerai tout à l'heure. Mytho.mn/trailer et vous avez la version française et la version anglaise du trailer. C'est ça. Vous saurez retrouver le trailer. Désolé pour le petit cafouillage du départ. Il me reste toujours une fenêtre où j'essaye de contrôler, de savoir ce qu'on fait, mais je l'entends pas. Et donc, je suis très content que ça soit ta faute. Ça aurait été la mienne, je m'en serais voulu, mais là c'est à toi que ça arrive et ça me fait plaisir. On t'aurait éjecté de celui-là. Ouais, juste pour info, donc c'est un trailer qu'on a fait il y a 2 ans qui a beaucoup vieilli hein, depuis. On a un vrai logo maintenant et tout. Et on a quand même un petit peu bossé hein, en ces 2 ans. J'ai juste montré deux écrans un petit peu plus. Un peu plus récent. On va passer directement chez toi. Voilà. Ouais, voilà, un écran plus récent. Ça, c'est exactement. Et explique un petit peu ce que c'est que Mythomène, parce que du coup, les gens ont vu le trailer, ils n'ont pas tout entendu au début. Ils ont vu un mauvais trailer avec un mauvais son et dans une mauvaise condition. On fait un film de super-héros. Financé par la pub. Voilà, c'est l'histoire de Edouard qu'on voit dodo en train de se faire gueuler dessus, qui rêve un jour de devenir super-héros, comme beaucoup d'entre nous. Et voilà, il rejoint la société Mythomène, qui est en pleine concurrence avec les pompiers, et Mythomène a un costume qui te permet d'avoir des pouvoirs de super-héros, hein, tout bêtement. Et voilà, ils vont sauver la veuve et l'orphelin, mais ils le font gratuitement, et pour pouvoir payer les salaires, ils font ça avec du placement de produits et de la pub. Donc ils ont tout l'univers du film est basé sur ça, sur la fausse pub et sur l'ubérisation des services publics, si je puis résumer ainsi. Parce qu'on les voit quand même en costume, plein d'étiquettes, un peu comme des coureurs de Formule 1. Exactement, ou même des coureurs cyclistes. L'idée c'était ça, c'était vraiment coureurs cyclistes. Là dans le trailer, on n'avait pas eu le temps de faire les fausses pubs sur les costumes, donc on a juste l'impression qu'ils ont que le costume met en valeur leurs pectoraux. Mais non, il est censé y avoir des pubs. Alors attendez, on va faire un petit truc. Hop. Continue de nous parler un peu dans ce micro de loin. Vas-y, je continue. Je vais tenter un petit... On m'entend mal dans l'autre micro, c'est ça ? Ah merde. Il faut que je trouve à quel endroit se trouve le petit... Voilà, désolé, c'est le micro qu'on a cassé tout à l'heure. Attends, je prends la place du chef, waouh. J'espère que tout va bien se passer. Et donc voilà, par rapport au trailer où on était un peu à l'arrache, on avait fait ça sans budget. Maintenant, on a quand même commencé la prod du film un petit peu. Et on a ces deux images. Si vous vous souvenez de l'image de l'église dans le trailer, ben voilà. Est-ce qu'on m'entend mieux comme ça ? Normalement, ça doit passer très très bien. J'ai vérifié, j'ai dit des trucs. Voilà, et donc là, c'est le plan de l'église tel qu'on l'a vu dans le trailer et tel qu'il est maintenant. Donc c'est toujours du work in progress, hein, il manque encore plein de choses sur cette image, mais c'est pour donner un petit aperçu de ce qu'on a fait. Et tout est fait avec les produits Adobe. Voilà. Mais c'est ça qui est beau, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour ça que tu es là, hein. c'est pas juste pour le plaisir de te recevoir, quoique. Mais effectivement, tout a été monté intégralement.
Ouais. Sur Premiere, After Effects. Alors le film final sera monté sur Premiere. Là pour l'instant on en est à l'animatique, donc c'est les storyboards légèrement animés. Donc l'animatique est montée sur Premiere, mais le trailer qu'on a vu était intégralement fait sous After. Donc on a même monté sous After, chose à ne pas faire, parce que c'est pas fait pour. Mais bon, ça faisait deux minutes. Et voilà. Donc on va te baisser un peu, les gens trouvent qu'ils t'entendent un peu trop. Que t'as une voix qui porte très bien sur le micro. Je vais fermer ma gueule, c'est tout. C'est pas non, grave. C'est pas ça. C'est pas exactement ça qu'ils essayaient de dire. Voilà. Donc voilà pour le self-promotion et du pourquoi je suis là. D'accord, super. Et du coup, pour le thème précis de la session, en fait, ouais. On va se parler à la fois du coup d'un tout petit peu d'after, un tout petit peu de première, enfin, voire ouais. beaucoup. Mais surtout, on va parler d'un outil qu'on aborde assez peu. Dans le Creative Cloud. Exactement. Qui est Adobe Story ? Qui ici connaît le nom d'Adobe Story ? Rien que cette question-là me taraude, me turlupine, je ne sais pas du tout. Voilà. Voilà, donc on a le droit à des MDR sur... alors, je ne sais pas si c'est sur la question d'Adobe Story ils, avec ils le... Ils sont sur une question d'il y a 30 secondes. Quand d'accord. Mais oui, c'est s'il y a toujours mon écran en live, c'est cette petite icône jaune SY. Ouais. Que je ne vais pas lancer parce que... Parce que c'est une surprise, vous allez voir des tas d'autres trucs non, voilà. en Hop. Beaucoup plus grand. Voilà, parce qu'on va aller, sur le truc. Et Adobe Story, c'est le logiciel d'Adobe pour l'écriture de scénarios. L'écriture de scénarios, mais quand on commence à aller un tout petit peu plus loin que juste son pitch. Exactement, ouais, c'est vraiment pour écrire un vrai scénar, hein, un scénar de long métrage. Quand moi j'ai commencé à écrire, et tous les gens d'ailleurs qui commencent à écrire, on nous parle tout le temps de... comment ça s'appelle ? Final Draft. C'est la référence du scénario Final Draft. Et avant même que Adobe Story existe, j'ai été contraint d'utiliser Final Draft, et je pense que... Que contraint est bien le mot, j'aime pas du tout Final Draft parce que je trouve que j'ai l'impression d'être dans Excel. Non, c'est tout con, c'est une histoire d'interface et tout. Et quand Adobe Story est sorti, le truc qui était intéressant, c'est que ça offrait déjà une alternative. Ouais. Et je vous parlerai aussi d'une autre alternative tout à l'heure. Parce que j'ai utilisé deux logiciels, j'ai utilisé Adobe Story et un autre soft. Genre Celtics, dont on nous parle dans le... J'avais commencé à utiliser Celtics, mais... Qui est une version free, je crois. Enfin, qui est une version free, mais à l'époque c'était open source et gratuit, et maintenant je crois qu'il y a des abonnements, il y a des trucs. Mais j'ai jamais, pareil, j'ai jamais accroché vraiment à ça. Je vais être honnête, j'ai un problème avec l'open source. J'adore l'open source, hein, puisqu'on en fait aussi pour les outils du film, mais souvent le problème avec l'open source, que ce soit GIMP ou que ce soit Celtics, c'est que l'interface utilisateur ou même la UX, hein, comme on dit, la User Experience, sont généralement à chier. Pas forcément au top, ouais. On avait dit pas de grand mot. Donc c'est pas forcément au top. Et c'est quelque chose qui, moi, me rebute beaucoup en tant qu'utilisateur. Et je trouve ça un peu dommage. Et c'est pour ça que je suis très content sur ce film de bosser avec Nicolas Dufresne, alias Duduf, parce que donc on utilise Duik pour l'animation. Et lui, il travaille énormément ses interfaces utilisateurs et le flux, enfin l'expérience utilisateur, voilà, on va dire ça comme ça. Et ça fait plaisir de voir que sur certains projets open source, il y a des gens qui se mettent à fond aussi. Et qui pense vraiment à l'utilisateur. Voilà, je dis pas ça pour dire l'open source c'est mal et Adobe c'est bien, hein, pas du tout. Il y a on pourrait dire plein de choses dans l'autre sens. L'open source c'est bien et Adobe c'est mal, mais voilà. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé Adobe Story. Sauf que Adobe Story a été principalement conçu pour de l'écriture de séries. Et qu'il y avait quand on écrivait un format long métrage, il y avait quelques petits soucis de performance. Et il y a un an peut-être est sortie en bêta la nouvelle version HTML5 d'Adobe Story. Avant c'était sur du Flash, hein, on va pas revenir sur Flash Flex et tout ça, mais maintenant c'est en HTML5 et c'est vachement plus svelte. En tout cas ça tourne vachement bien dans les navigateurs modernes aussi. Et on va pouvoir commencer à écrire un petit script ensemble. Je tiens à préciser qu'il y avait avant une version desktop d'Adobe Story qui permettait de synchroniser avec la version cloud, mais que la nouvelle version desktop n'est pas encore arrivée et que pour l'instant c'est uniquement en ligne. Ça peut paraître contraignant,
Moi, c'est vrai que on sait jamais à quel moment on écrit, ça peut pas être contraignant, mais en tout cas, le vrai avantage, et c'est pour ça que je suis passé sur Story au lieu d'un autre logiciel, ouais. J'ai beaucoup parlé de Fade-In, qui est un logiciel, qui est l'autre logiciel d'écriture que j'utilise, que je n'utilise pas pour l'écriture. Le vrai avantage d'Adobe Story, c'est que Mythomène, on l'a écrit à deux. Ouais. On l'a écrit avec Élise Couturier, qui est ma co-auteure. On habite tous les deux, pas l'un à côté de l'autre. Et qu'on peut partager les projets avec, ben, des autres membres du Creative Cloud, même ceux qui n'ont pas un abonnement Creative Cloud payant. D'accord. Et ça permet de travailler à plusieurs et d'avoir aussi un système de révision des notes et de... Et il y a une gestion, pardon, de comment est-ce qu'on dit, de je peux donner un rôle, c'est-à-dire que la personne peut soit modifier, soit juste relire. Et en fait, c'est pour moi la killer feature d'Adobe Story et qui fait que je l'utilise toujours aujourd'hui sur Mytho et sur d'autres projets à venir. Ouais, parce que ça veut dire que Quand t'es tout seul à écrire ton propre scénario, il n'y a pas de souci, mais t'aimerais pas que ton co-auteur ou ton co-scénariste se mette à détruire des trucs, par contre valider et dire oui ou non. Voilà, il y a tout ce step-là. Maintenant, il y a pas mal d'autres logiciels d'écriture qui permettent de synchroniser un document, par exemple sur une Dropbox ou sur un cloud quelconque. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas ce suivi de révision, sauf si on est un petit peu geek et qu'on est un petit peu développeur dans l'âme et qu'on fait de la comparaison de versions avec des outils comme des éditeurs texte qui permettent de faire des comparaisons. Moi, je sais que ça ne me dérange pas de le faire parce que j'ai ce côté un peu geek, mais ce n'est pas le côté... encore une fois, on en revient à l'expérience utilisateur de gérer le truc, quoi. Donc voilà. Tiens, on va faire... Alors, vas-y. Donc là, tu es en train de créer ton premier storyboard en direct, live, avec... Mon premier scénario. Voilà, carrément. Film template. Oui, storyboard, je ne sais pas dessiner. Je n'ai pas ma magnifique Wacom avec moi ce matin. voilà. Alors, on va l'appeler comment ? On va l'appeler Seb et Franck. Seb et Franck, voilà. C'est très bien, ça me va bien. Seb et Franck. Ah, je n'ai pas le droit dans mon nom de document de mettre un petit « et ». Donc, Seb et Franck sous un arbre. J'aurais dû te le dire, on aurait dû mettre une petite photo d'arbre derrière. De toute façon, on ne voit pas grand-chose derrière pour l'instant. Donc pour ceux qui aiment le cinéma et qui ont déjà regardé un making-of dans leur vie, j'imagine qu'ils voient à peu près à quoi ressemble un scénario. Alors on peut utiliser Adobe Story, on peut utiliser Final Draft, on peut utiliser plein de logiciels. Le secret du format scénario, c'est juste une feuille de style, en courrier 12. Voilà, donc là, bon, ça load un petit peu parce que toute la bande passante passe dans le stream. C'est ça. C'est votre faute si on n'a pas de... si ça traîne. Voilà, c'est habituellement beaucoup plus rapide, hein, mais c'est les joies du direct dans le cloud. Non, mais pour peu qu'il y ait une réunion à côté avec 60 personnes connectées sur le Wi-Fi, c'est... C'est ça. Bon, bah, de toute façon, on est là pendant une heure et demie, donc si on a 45 minutes d'écran de chargement, ça, on peut peut-être d'ailleurs voir s'il n'y a pas des petites questions. S'il n'y a pas des petites questions de l'open source. Alors, j'en ai profité tout à l'heure pour vous poster le lien vers duduf.com, hein, donc le site de Nicolas Dufresne qui a conçu Duik. Exactement. Qui est super utilisé par tous les utilisateurs d'After. Ouais, bah, de l'animation. L'anime. Je vous ai mis le lien de story.adobe.com, enfin Stéphane Baril qui nous modère aujourd'hui, bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Je vous ai mis le lien de story.adobe.com parce que c'est toujours très pratique, et je vous ai remis le lien d'une masterclass sur le storyboard qu'on a faite avec Younes Jabran il y a quelques mois, et qui permet vraiment de désacraliser le storyboard, qui permet de voir un peu une méthode, et il a partagé énormément de trucs métiers. C'était vraiment super, donc je vous la recommande, je la remettrai dans les liens à la fin de notre session. Ouais, je la recommande aussi également. On va aborder un petit peu l'étape de storyboard un peu plus tard dans cette conf, mais oui, je vous recommande énormément ce live avec Younes, parce que moi qui ne sais pas dessiner et qui a envie de raconter des histoires, l'étape de storyboard, surtout quand t'es visuel et que t'as des références, c'est vrai que c'est super intéressant.
Alors, on a dit qu'on était sous un arbre. Donc on a dit qu'on était sous un arbre, mais on a aussi dit que tu pouvais travailler à plusieurs là-dedans. Mais tout à l'heure, tu pourras m'inviter si tu veux. Ah oui, bah, je vais te partager avec toi. Donc, la nomenclature ext pour extérieur, int pour intérieur, i/e pour intérieur-extérieur, si jamais c'est une scène qui se déplace. Extérieur, on va dire campagne, hein, pour avoir un arbre. C'est, déjà, les arbres sont plus jolis qu'à Paris. Extérieur, campagne, et on va dire qu'on est de jour. Ok. Voilà comment on crée une scène dans un scénario. Merci beaucoup, bonne soirée, à bientôt. C'est tout. Ouais, voilà, non, c'est tout. Donc je vous referai la session directement sur InDesign. Non, rassurez-vous, pour ceux qui ne connaissaient pas du tout Story ni l'écriture de scénario, vous allez voir qu'en fait ça va beaucoup plus loin que tout ce qu'on peut faire. Voilà. Enfin, c'est pas un traitement de texte. Voilà, donc on est tous les deux. Qu'est-ce qu'on fait sous un arbre? Bon, on discute. On discute. Alors, Sébastien. Alors, souvent, quand on présente un personnage dans un scénario, il faut qu'on donne quelques informations. Par exemple. Un homme proche de la 40. Le mec qui hésite. 40. Non, mais c'est parce que je suis nul en orthographe et tous les gens dans la quarantaine. Regarde, un homme proche de la quarantaine à la chevelure grisonnante discute avec son ami Franck. Oui, avec son ami Franck. Ça peut ne pas être passionnant. Son ami Franck, sportif de haut niveau. Tu vois, voilà. Tu es sportif de haut niveau. Du coup, ça vaudra le coup d'avoir le flux de révision assez vite. Alors, vas-y. Tiens, révision, est-ce que je peux... Est-ce que tu peux le partager ? Je vais te le partager. Je vais retourner en arrière, parce qu'on ne le partage pas depuis l'écriture, mais on le partage depuis ici. Depuis je pense qu'il faut que je le sélectionne. Et... alors attends, parce que comme c'est la nouvelle version, je ne retrouve pas toujours tout, mais tout est petit. Alors du coup, moi, je me suis permis d'afficher mon écran aussi dans le coin, c'est l'écran en bleu, pendant que toi, tu es en train de chercher comment tu vas me le partager. Ça existe toujours ou pas, d'ailleurs, le partage? Oui, ça existe toujours. En plus, j'avais encore une notification l'autre jour. Alors, c'est peut-être dedans, en fait. C'est peut-être dedans. Alors, c'est peut-être dedans. Maintenant, on va trouver... Fichier. Voilà. Si vous avez des questions sur l'écriture de scénario. Ah ben bah, on a plus que ça comme question. Donc, je vois que Stéphane nous partage la bière favorite du Creative Cloud, qui est notre ginger beer, qui est une bière sans alcool. Rassurez-vous, tout va bien. Très bien. Gérer les modifications, l'orientation. Non, c'est pas là-dedans. Vous modifiez actuellement, donc c'est bien OK pour moi. Ouais. Attends. On va trouver. Bien sûr qu'on va trouver. C'est pas dans les trois petits points. Là. C'est pas dans les trois petits points qui sont ici. Attends, hop. Ouvrir. Non. La colonne de. Non, là, c'est pour régler les types de colonnes. Là, j'ai. Ouvrir. Attends, ici, je désélectionne. Est-ce que j'ai pas un truc. Attribution des listes. Non. Décidément. Oh, ben, ah, attends, et c'est peut-être le... Tu veux dire que t'es remonté d'un niveau? Voilà, c'est peut-être le projet qu'il faut partager, le projet, voilà. Nickel. Alors, quel est ton logo? C'est FR, comme Franck. Ouais. 32. C'est atfree.fr. Et je vais te mettre co-auteur. Je suis co-auteur, ça veut dire que je vais pouvoir réviser ton scénario. Donc là, on est bien sur ton écran. Et quand je partage entre les deux, normalement, je devrais avoir, moi, une notification quelque part sur mes projets. Voilà. Alors, je vais reloader mon story. Hop. Faut que tu ressortes, voilà, faut que tu ailles dans ta vue projet. Normalement, tu as dû recevoir un mail. J'ai reçu une notification. Voilà. Ouais, donc, voilà. Moi, je reçois, hop, on va passer chez moi un instant. On passe chez toi, moi, je reviens. Sébastien Perrier a partagé le projet Adobe Live avec vous en tant que co-auteur. Est-ce que je l'accepte ou est-ce que je le refuse? Ça m'engage à quoi financièrement? Ça t'engage à rien. Tu peux le partage ne nécessite pas d'avoir un compte Creative Cloud payant. D'accord, donc ça c'est pratique. Il y a peut-être quelques limitations à ça. Mais en tout cas, pour le partage... Parce que, ils considèrent que moi, étant l'auteur et ayant un abonnement Creative Cloud payant, je suis le maître du document. D'accord. Donc je peux le partager avec des auteurs sans le sou. Et du coup, donc sur mon écran, j'ai accès à ton projet, j'ai accès à ta première scène,
Et ce qu'on va voir, c'est mais elle n'est pas finie du tout, en plus. Elle est très clairement pas finie. Pour l'instant, tu es en train de le modifier. Est-ce que moi, je veux y accéder en lecture seule? Oui. Donc, je peux accéder, moi, en lecture seule au projet. Et toi, tu peux continuer de rédiger la suite de la scène. Donc, on va écrire un dialogue, tout bêtement. Donc, entrée et tab pour avoir... c'est un petit raccourci, le tab pour entrer en mode personnage. Donc, on va dire Franck. Ouais. Voilà. Dis donc, Sébastien... Il faudrait que tu fasses un peu de sport. Non, on va pas parler de sport aujourd'hui. Ah, d'accord. Il faudrait que tu fasses un saut chez Mireille. Mmh. Bah voilà. Ça s'écrit comme ça, Mireille ? Je sais pas. Un saut chez Mireille, elle déprime en ce moment. Alors du coup, t'es en train de nous parler de Mireille, t'es en train de parler de chez Mireille, ce qui doit être qui peut être un lieu. Exactement. Moi, je vais te répondre quand même, je vais pas te laisser, Sébastien. Ah bon ? Pourquoi ? Toi, tu me réponds, tac. Pendant que tu es en train de faire cette scène-là, Franck et Sébastien sous un arbre, moi je vais en profiter de mon côté pour avancer sur la deuxième partie du film, c'est-à-dire chez Mireille. Et je vais. Bah, je pense que oui. Mais je sais pas si tu. Parce que moi, la scène n'étant pas finie, je sais pas si tu peux y accéder. Oui, non, mais pas dans ton script, dans un autre script. Ah oui, tu peux faire ça dans un autre script. Ah bon, pourquoi toi, depuis que Steven est mort. Depuis que Steven. Elle n'arrive pas à remonter la pente. Ok. Voilà, on va terminer là-dessus, pauvre Mireille. Une fois qu'on a terminé ça, on fait une petite transition. Ouais. Voilà, on va dire. Alors, elles sont en anglais les transitions. Ouais. Donc c'est cut. Donc ça va être un cut. Hein, voilà. Cut to. Et donc là, on va avoir une deuxième scène qu'on va pouvoir dire intérieur maison Mireille, parce que l'intérieur de Mireille, c'est un peu voilà. Pas tout de suite. Et on va dire que c'est de nuit. Et maintenant, si moi je, alors tout est sauvegardé automatiquement, on est sur le cloud. Sur le cloud, donc si moi je sors de ça. T'as vu, sur ma liste aussi, comme projet et pas le scénar qui est partagé, je viens de voir Je viens de voir que je viens de fabriquer un scénario truc, voilà. Sur chez Mireille, qui pourrait être un spin-off en fait. Exactement, ça va être le spin-off chez Mireille. Mais il faudrait qu'on le délocalise à Dallas, tu vois, avec. Ouais, c'est ça, Mireille en vacances, Mireille à la plage. Tout à fait. Merci Mireille. Et donc, tout ce qu'on est en train de faire, tout ce que tu es en train de préparer... Tu peux d'ailleurs aller dans mon scénar et... Tu viens de le fermer. Normalement, je ne suis plus dedans. Si tu viens de le fermer, hop, je vais partager à nouveau nos deux écrans. Je vais revenir donc sur le scénario de départ. Et pendant Franck sur un arbre, vas-y. Voilà, et pendant que tu vas écrire un truc chez Mireille... Bon, alors évidemment, on n'est pas en train de créer un nouveau blockbuster... on voit que ce n'est pas non plus de haute volée, tout ça est improvisé, bien évidemment... Mais plusieurs informations intéressantes, c'est que le scénario, c'est de la métadonnée. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'on voit, on peut directement voir qu'il y a deux personnages qui parlent dans la première scène. On voit visuellement à peu près la taille des dialogues. Il y a des outils de statistiques qui permettent de savoir d'estimer la durée du scénario, d'estimer le nombre de lignes que va parler Sébastien ou que va parler Franck. Et c'est à partir de ce genre d'informations-là que est défini le budget d'un film. Alors généralement, le budget d'un film n'est pas le souci du scénariste, c'est le souci du producteur. Mais comme aujourd'hui, on est dans un monde où de plus en plus les frontières s'abolissent et les métiers se mélangent, quand on fait par exemple un court-métrage avec des potes un week-end, c'est toujours intéressant d'avoir ça pour pouvoir estimer à peu près le nombre de lieux et le temps que ça, le temps que ça va prendre. C'est-à-dire que tu étais censé planifier à la fois tes scènes, les intérieurs, les extérieurs, la manière dont on va réfléchir aux heures, par exemple, du jour. C'est ça. Là tu vois, donc on est passé à la nuit, donc il y a une ellipse dans l'histoire. Mon écran s'était éteint. On a mis une petite ellipse. Bon, voilà, on raconte, c'est un truc très simple, mais l'étape du scénario est vraiment très importante parce que elle permet de stocker toute cette information. Et ce qui
qui est assez intéressant, c'est que de par la, le format du scénario, donc on a un en-tête de scène bien défini, on a des systèmes de transition bien définis avec cette mise en page et tout, en fait, on est déjà en train de formater cette information. Donc, par exemple, quand on est développeur, c'est très pratique, vu que c'est enregistré au format XML, c'est très pratique de scanner cette information et de pouvoir en tirer tout un tas de statistiques. Et d'ailleurs, Story a un système de ce qu'ils appellent des rapports qui permet de faire des statistiques, parce que Story permet d'écrire des histoires, mais il permet aussi d'organiser un tournage. D'accord. De dire, ben voilà, on a besoin de tel comédien sur tel nombre de jours. Je sais qu'il est utilisé en Angleterre pour les séries type... je sais plus sur quelle chaîne, mais Story est très utilisé pour des séries type Plus belle la vie. D'accord. Où il y a besoin de il y a beaucoup de gens qui écrivent en même temps, avec beaucoup de personnages, beaucoup de trucs. Mmh. Et Story a des outils de planification de tournage. Ce qui, quand on fait de l'animation comme moi, est moins utile. C'est moins utile parce que tu peux demander de redessiner un prop rapidement, enfin un accessoire, un élément, tout ça. C'est ça, et puis c'est surtout c'est que les lieux, c'est juste des dessins. Tu vois, on n'a pas besoin de demander des permissions pour aller tourner sous cet arbre ou aller tourner dans la maison de Mireille, de trouver la maison de Mireille, c'est juste du dessin. Et puis les comédiens, c'est juste de la voix. Donc c'est un outil qu'on utilise moins. Et quand on a fait le trailer de Mythomen, le scénar était déjà à peu près aux trois quarts fait, on va dire. Et moi, ce que je voulais, c'était, comme j'ai aussi ce petit côté développeur et que j'aime bien le côté statistique, moi je voulais prendre cette information-là de Story et la foutre dans After. D'accord. Parce que ça n'existe pas. On peut pas ouvrir un scénario Adobe Story dans After, alors qu'on peut le faire dans Premiere. D'accord. Et on va voir ça. On va voir ça tout à l'heure. Justement, comment ça se passe. Et donc j'ai développé un script qui est disponible sur AE Script, mais que vous n'êtes pas obligé d'acheter du tout, parce que voilà, hein, on est dans un univers où je vais probablement le modifier prochainement, et qui permettait d'importer un scénar Adobe Story. Et de créer un pré-montage dans After avec les bonnes compositions, avec la durée estimée des plans, etc., etc., etc. Sauf que monter dans After Effects, c'est vraiment pas fait pour, c'est vraiment plus pour Premiere. Et qu'à l'époque, donc ça remonte à 2 ans, on n'avait pas le scripting dans Premiere était encore très 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 balbutiant. Il y avait tout un tas de contraintes techniques qui faisaient que c'était impossible à mon niveau de développement et de compétences techniques à faire. Sachant qu'on développe aussi bien du DUF dont on a parlé tout à l'heure que moi, on développe nos outils pour des besoins. Ouais. Toi, on n'est pas un éditeur de plugins qui va développer pour répondre à un marché. Nous, on développe pour répondre à nos besoins. Et du coup, à l'époque, j'ai testé. J'ai réussi à avoir un truc qui est vraiment pas mal et qui permet déjà d'organiser, de presque créer un storyboard animé. Mais entre-temps, Adobe a sorti les Motion Graphic Templates, MoGart. Mais je ne sais pas quel est le nom en français de ça. Ça s'appelle les essentiels graphiques et les modèles d'essentiels. Voilà, les modèles graphiques essentiels. Les modèles graphiques essentiels, c'est pas voilà. Vraiment la meilleure choix qu'il ait fait en termes de nom. Et en fait, ça change un peu la donne. C'est pour ça que je vous dis, n'allez pas choper mon script sur AE Script, parce qu'aujourd'hui, on peut faire différemment et directement dans Premiere. Puis on a une petite surprise d'ailleurs pour ceux qui seraient avec nous tout à l'heure sur l'usage de tout ça. Exactement. Je préviens pour les surprises, parce qu'autour de l'heure du déj, les gens n'entendent pas la surprise. Oui. c'est vrai. Et puis ça permet de... faire en sorte que les gens gardent le flux ouvert aussi. C'est bon pour les stats, ça. C'est pas mal. J'aime bien les stats. Si tu aimes les surprises, reste connecté avec nous. Dans 55 minutes, vous aurez quelque chose, peut-être. Moins de 55 minutes. Moins de 55 minutes. Moi, je suis parti. Donc, j'ai écrit une scène. J'ai écrit la suite de notre scène. Ouais. Du coup, dans Story, ça nous a permis d'avancer un petit peu sur... Voilà. Et pendant que tu étais en train d'écrire, moi, j'ai lancé Premiere Pro. Mm-hmm. Et je vais aller dans Fenêtre. Et je vais aller dans Adobe Story. Ouais. Ah, il faut que je me connecte à mon compte Adobe Story. Très bien. Alors, normalement, vu que je suis connecté avec mon compte Creative Cloud, ça doit me connecter sur mon compte Story. Attends, automatiquement, si attention, veux, hop, ah bah non, là, comme ça on voit pas ton écran. Story CC,
bien. Je rentre mon petit mot de passe. Donc vous avez suivi, hein, pour tous ceux qui débarquent et pour qui c'est la première, c'est le premier storyboard en direct. Donc ce qu'on a mis en place au départ avec Sébastien, c'est justement un storyboard, donc un scénario. Il s'appelle story, c'est pas simple. C'est ça. C'est pour du storytelling. Et via ce scénario, en fait, il y a des personnages, il y a des scènes, il y a des lieux, etc. Et là, on est en train de revenir sur le premier de Sébastien. Exactement. Qui maintenant est connecté à son Adobe Story. Et voilà. Et donc, dans notre projet Adobe Live, on a les deux scénarios, Franck, Seb et Franck sous un arbre et chez Mireille. Alors, on va prendre plutôt le tien que le mien. Parce que je vais le mettre. Je vais le mettre où ? Non, je vais le mettre là en attendant, tiens, le panneau. Seb et Franck chez Mireille. Voilà, on a le scénar qui est dans mon panneau. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Déjà, est-ce que toi, tu peux écrire depuis ton panneau ? Non. Non ? Alors, non. Mais par contre, est-ce que moi, je peux compléter ? Je pense que tu peux compléter. Je ne sais pas si l'update sera live chez moi, mais en tout cas... Tout à fait. Donc, ce qu'on peut faire avec ce panneau... Dit comme ça, ça va être un peu décevant, mais on peut pas faire grand-chose, mis à part lire le scénar. Ouais. Ce qui permet malgré tout de situer... C'est ça. Parce que pour moi, le truc le plus important quand on travaille, c'est d'être dans le contexte. Mmh. Et c'est important quand tu fais ton storyboard. Par exemple, le storyboarder avait sur son écran principal Toon Boom, parce qu'on utilisait Toon Boom Storyboard, puisqu'on n'avait pas encore ces solutions en place. Et le scénar dans une autre fenêtre pour pouvoir toujours être dans le contexte. Voilà. Dans le contexte. Et d'ailleurs, tiens, vu qu'on est plusieurs, on est deux auteurs, par exemple, tiens, t'as écrit une scène, Sébastien, alors qu'est-ce qu'elle raconte Mireille ? Normalement, je dois pouvoir, d'une façon ou d'une autre, ajouter... Alors par contre, je suis dessus, donc ça doit être verrouillé. Ah, c'est ça. Je vais lui demander de le déverrouiller ici. Hop, je sors. Et du coup, toi, tu dois y avoir. Tu vois, maintenant que je l'ai déverrouillé, sur ton écran, c'est bien noté en haut, inactif. Ah oui, cliquez sur déverrouiller. Et donc tu déverrouilles, et là tu peux modifier le scénario. C'est-à-dire qu'on travaille vraiment en parallèle. On travaille exactement en parallèle. Mmh. Et normalement, alors vu que ça en plus a encore changé, je dois pouvoir ajouter des notes. Non, 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 c'est pas ça. Ce sont des trucs. Attends, est-ce que j'ai inséré notes, un truc comme ça ? Non. Voilà. Qu'est-ce que tu vas pouvoir insérer et à quel endroit ? Donc en fait, on est vraiment en train d'utiliser toutes les petites fonctions cachées à l'intérieur de Story, justement, pour pouvoir compléter un petit peu tout ça. Ouais, alors, attends, est-ce qu'il faut que j'active... Attends, démarrer le mode... Ok, démarrer le mode modification. Alors si tu veux insérer une note, dès que je le trouve, je te préviens, si jamais j'arrive avant toi. Ouais, non, c'est comme ça, comme j'ai passé, j'ai écrit tout Mythomane sur l'ancienne version et que j'ai fait que des révisions sur cette version HTML5, j'aurais aimé qu'elle soit là plus tôt, hein, évidemment. Normalement, on peut rajouter des notes. Tu vois, par exemple, sur un dialogue, je sélectionne un dialogue et je dis « Ah, t'es sûr que c'est de la façon dont Mireille parle, tu vois ?» Et toi, tu me dis « Ah, j'ai un doute là-dessus. » Ouais, il y a peut-être des échanges à avoir dessus. C'est ça. Et en plus, tu peux le mettre... Alors, peut-être que c'était que sur l'ancienne version, mais il me semble les avoir vus sur la nouvelle. Et en fait, la note, elle était attachée à l'élément. Donc là, l'élément dialogue ou l'élément personnage. Mais bon, c'était pas grave. Je vais retourner dans Première parce que le temps passe. Donc dans Première, avec le panneau story, on n'a pas grand chose à part voir, mais c'est quand même plutôt pas mal parce qu'on est dans le contexte. Et j'ai développé un objet graphique essentiel que je vais charger de ce pas, qui est en fait un motion graphique essentiel, voilà, qui s'appelle storyboard.mogurt. J'adore ce nom. Tac. Qui est là et que je vais copier ici dans... Attends, parce que j'ai ouvert Premiere Pro 2017 et pas 2018. T'es joueur aussi. Ah, t'es joueur. Est-ce que tu l'as, toi, sur le 2018 ? Moi, j'ai 2018 ici.
Hop. Mais par contre, j'ai pas forcément ton... Si, tu me l'as donné si, tout à l'heure. Je te l'ai donné. Puis tu as le lien où les gens pourront aller le télécharger. Je balance les secrets. Tu balances le secret de tout à l'heure. C'est-à-dire que notre teasing de tout à l'heure, je vais vous donner le lien directement. Ce sera fait. De toute façon, ils pourront y venir. Et ils seront très contents d'y avoir accès. Donc, on passe chez moi, le temps que tu te connectes. Exactement. Donc, sur tvc.cm. Alors ça, c'est le pire site du monde, enfin, la pire URL du monde, parce que ça ressemble à une URL qu'on connaît, mais en fait, non. Non. Donc, The Visual Clutter, pour ceux qui chercheraient. Il y a une URL storyboard_Adobe. Exactement. Et ça, c'est un cadeau. Tout à fait. Et c'est un cadeau uniquement pour les gens qui regardent notre session aujourd'hui, puisque sur ce petit cadeau que tu nous fais, on va pouvoir télécharger le storyboard ici, ainsi que les fichiers sources. Alors, je retrouve donc le Mogurt, qui est pas très lourd, il fait ses 30 petites mégas, donc je vais les charger. C'est ça. Et puis les fichiers sources, on va voir quelle taille ils font. Ça fait à peu près 30 mégas. Oui, l'important, c'est important pour moi de partager aussi le fichier After Effects qui a servi à la création. Pour pouvoir le personnaliser, justement. C'est ça. Et cette petite chose-là va nous permettre, justement, bien, via cette page-là, de personnaliser énormément de contenu à l'intérieur de, De notre projet Premiere. Alors, je suis désolé, voilà, je n'avais pas Mais tu n'as pas ton Premiere 2018. Hein. Ben non. C'est gâché. C'est gâché, mais tu vas pouvoir du coup, ah tiens, toi qui n'as jamais utilisé qui a jamais fait de storyboard dans Premiere, si tu as ton Premiere sur ton écran, je peux te driver et ça va montrer aux gens à quel point c'est facile du coup de faire ça maintenant dans Premiere grâce au Motion Graphic Template. Alors déjà, je vais fermer mon projet. Donc, je vais nous faire un nouveau projet dans Premiere, nouveau projet. Donc ce projet là, c'est Adobe Live. Voilà. Sébastien Perrier. Très bien. Tu peux avec un solaire. Et tu peux rajouter le gros boulet qui n'a pas installé sa CC 2018 laptop. C'est ça. Voilà. On va pas le dire comme ça. On va dire que tout est parfait et que la vie est belle. L'emplacement, je vais le mettre sur mon bureau parce que tout est toujours très bien rangé. Voilà. Et une fois que j'ai lancé un petit peu cette chose, alors normalement, si on était en mode je travaille correctement, je vous dirais de bien mettre tous vos rushs sur un autre disque dur, etc. De bien gérer l'assimilation pour faire des captures, des sauvegardes, de tout ça. Mais ça, c'est quand on travaille très proprement dans Premiere un vrai projet. Exactement. Là, on est à l'arrache. En plus, on va faire du dessin en direct. Donc, non, on va pas dessiner. On va storyboarder. Que tout est déjà dans le Motion Graphic Template, hein, dans l'élément graphique essentiel. Donc, je vais lui dire OK. Je crée le Adobe Live. Je crée mon premier élément. Je vais faire comme toi. Je vais aller chercher le panneau Story. Tu peux aller chercher le panneau Story, bien sûr. Il se trouve le deuxième, juste là. Ah bah oui, Adobe Story, évidemment. Donc je vais me connecter. Tout à fait. On va avoir exactement la même problématique que pour toi. Exactement. Voilà. Il va me redemander, bonjour, c'est moi, oui, c'est moi. Hop, c'est la première fois qu'on se parle. Voilà, si tu veux retourner sur mon... Attends, parce que là, les gens vont voir que tu as tapé ton mot de passe. Vas-y, mets sur mon écran, j'ai mis un magnifique dessin mythomène. T'as mis un beau dessin mythomène. Qu'on a déjà vu. Comme ça, tu peux taper ton mot de passe totolastico42 en toute simplicité. Ouais, et me planter et sur toute, le mot de passe, parce que plus sécurité. Il est long, plus je me trompe. Voilà, et comme oui. Ça, on commence. Mais non, regarde, ouais, ça te connecte. À saisir, voilà. Et du coup, d'ailleurs, toi, on voit que tu as qu'un seul projet. Moi, j'ai très peu de projets de films. J'ai pas de vrai projet de film. J'ai des projets fictifs uniquement pour montrer un petit peu comment ça marche, notamment avec Sébastien. Et donc, mon panneau Story, je vais faire exactement la même chose. Voilà, je vais aller sur Adobe Live, dans la scène, sous l'arbre. Je vais prendre mon panneau, pour ceux qui connaissent pas bien Premiere Pro, je vais le glisser soit dans les onglets, soit directement sur le panneau central. Et je retrouve les mêmes informations que toi. C'est-à-dire que j'ai bien toutes mes scènes. Et on voit d'ailleurs que tout à fait est en direct. L'update de tout à l'heure, évidemment, en direct. Et oui. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu plus intéressant. Du coup, maintenant, tu vas me créer une nouvelle composition. Enfin, une nouvelle séquence, plutôt. Oui, on sent le mec qui vient d'After Effects. C'est ça. Donc là, on est toujours dans Premiere Pro. Ça ressemble un peu à After Effects par moment. C'est du coup, il va dire composition à la place de séquence. Et je vais créer une nouvelle séquence. Cette séquence, on va la faire au format HD 1080-30, voilà, c'est très bien. Exactement, voilà. Mais alors comme je les ai mis à 24 images par seconde, il faudra juste que tu changes un peu la... Hop, 1080p, 24. 24, voilà.
Et cette okay. séquence 1, est-ce que je la nomme du nom de la scène ou pas ? Non, tu vas la nommer du nom du film. Donc, par exemple, on va l'appeler Sous un arbre. Ça fait très. Il faudrait un truc Sous un arbre feuillu. Tu vois, ça fait très titre de film français. C'est ça. Sous un arbre feuillu. Non, je suis pas sûr pour le feuillu. On va l'enlever. Okay, on va juste sous garder un sous un arbre. Under the tree. Donc j'ai mon premier élément qui est là. Voilà. Maintenant, tu vas aller dans ton panneau graphique essentiel. Ok. Alors oui, parce que tu peux pas le. Alors c'est une des petites subtilités avec les motion graphic templates, c'est qu'on peut pas les drag and dropper. On peut pas les drag and les glisser déposer c'est, pardon. C'est ça. C'est pas aussi facile que ça. Non, il faut ouvrir le. Donc dans le menu fenêtre, vais chercher les objets graphiques essentiels. Tout à fait. C'est bien d'avoir un maître avec soi. Voilà. Et là tu vas aller chercher dedans. Donc voilà, là, sur je vais ton lui bureau. Dessus, sur le bureau. Oh, pardon pour le coup dans le micro. Je vais sur le bureau, il est dans les téléchargements. Et c'est bien le TVC storyboards.mogurt. Exactement. Donc, et je on télécharge, l'ouvre. J'ouvre cet élément. Et il est présent ici. Exactement. Et pourquoi je t'ai fait créer la séquence en premier ? C'est que tu ne peux pas non plus le glisser, déposer directement dans le projet. Il faut le glisser dans la séquence. Mais par contre, quand je le glisse dans la séquence, il est reconnu comme un élément de séquence et il va me prévenir. Attention, il y a des réglages qui ne sont pas exactement les mêmes choses. Voilà, modifier les réglages d'une séquence comme ça. Comme ça, il va l'adapter. Il va adapter, je pense, les questions de timing, les questions d'espace. Et normalement, si j'ai bien fait, non, je l'avais annulé, on va le reprendre celui-ci. Là, j'ai ouvert sur mon ordi, j'ai ouvert du coup le projet After Effects. D'accord. Donc on pourra montrer un peu comment voir ça marche. Entre les deux, comment ça se met en place. Donc l'ordi en haut à gauche, c'est celui de à droite, c'est celui de Sébastien. C'est le mien. Avec son After Effects et l'élément de projet. Et sur ma version, je vais retrouver en fait l'application de ça. Exactement. Alors on va se concentrer plutôt sur ton ordi. Si tu vas voir du coup quand tu sélectionnes le graphic template, tu as un panneau avec une petite interface. Ouais. Tu vois, donc c'est mes trucs par défaut. Et magie du direct, regarde, c'est un arbre. Ah mais dis donc, ça tombe bien. Mais nous ne sommes pas. Ce n'est ni Sébastien ni Franck, c'est plutôt Mireille et l'ami de Mireille qu'on n'a pas encore cité. Exactement. Donc on pourra choisir laquelle des deux est Mireille tout à l'heure. Donc tu vois, il y a énormément d'options. Tu peux choisir intérieur ou extérieur. Tu peux choisir l'heure du jour. Donc là on est jour, donc on va rester à midi. La météo, le nombre de personnages. Donc là on peut en mettre jusqu'à 4. D'accord. Dans le modèle que j'ai fait. Donc là, on en garde donc, deux. Il suffit juste de bouger les tirettes pour changer le. C'est ça. C'est tout simple. Ah oui, non, quand je rajoute des personnages, ils apparaissent pour de vrai là-dedans. C'est ça. C'est complètement ouf. C'est beaucoup, beaucoup plus poussé que ce que j'imaginais, dis donc. Voilà, donc garde les deux personnages. Voilà, et si tu descends dans la rubrique qui s'appelle caractère, tu vas avoir toutes les options. Donc tu as personnage à caractère 01, tu vas pouvoir le déplacer pour avoir. Les hommes, c'est 3 et 4. Les hommes sont 3 et 4. Du coup, on va mettre Sébastien. Et pour le personnage 2, qui est un petit peu plus bas, exactement. Donc on aura ni plus Sébastien et Franck et plus Mireille et sa copine, on va avoir Franck et Jocelyne. Voilà, on a Franck et Sébastien. Tu vois, et je trouve que ça nous ressemble vachement. Je tiens à remercier Anthony Ménard, donc le storyboarder de Mythomen, qui a fait la planche de bord que vous voyez, qui nous a fait les petits dessins parce que je suis nul en dessin. Et je voulais vous faire un truc un peu joli, donc merci à lui d'avoir fait ça. Donc voilà, toi on a les deux personnages. Bon, là c'est ma disposition par défaut. Hein, donc je peux encore régler, c'est-à-dire que je peux déplacer mes personnages. Voilà, tu peux ajuster la position. Plus grand ou plus petit, tu vois, moi je suis plus petit que toi, donc tout va bien. Exactement. Par contre, c'est toi qui as du ventre sur le truc, c'est cool. Ah non, c'est bien. Mais j'ai vraiment du ventre. Je suis un faux maigre. Le animate, ça va me faire quoi? Si tu cliques sur Animate, tu sais que sur les éléments graphiques essentiels, on ne peut pas mettre d'image clé, on ne peut pas animer. D'accord, ouais. Sauf que dans un storyboard, parfois, le personnage arrive. Ouais. Donc, grâce à la magie des expressions, on peut animer. Donc, c'est très standard. Hein. Donc, si tu cliques sur Animer, par exemple, sur le personnage 1, quand tu ajustes sa position, par exemple, si tu la mets tout au bord, on va faire... Tu vas le mettre tout au bord et tu vas cliquer sur animer. D'accord. Anime start time, donc c'est on va dire à 0, hein, dès le début de la scène. D'accord. On va dire que je vais mettre quoi
4 secondes pour aller jusqu'à toi. Tout à fait. Donc, Anime Duration, tu mets 4. Je vais mettre 4 secondes. Tout à fait. Et la fin de la position, bah, tu vois, là, tu modifies et puis tu vas me mettre proche de toi, par exemple. Ok. Et je peux lui demander éventuellement. C'est ça. Alors, si tu déplaces, d'ailleurs, tu vois, là, tu vois, ça, il ne bouge pas. Mmh. Par contre, si tu déplaces plus de 4. Et voilà, et ça permet de prototyper très rapidement le truc. C'est super. Par défaut, les interpolations sont linéaires. Il y a une option qui s'appelle isAnime, comme ça, ça fait une jolie petite courbe d'anime. On n'a pas l'impression que je me précipite vers toi. Ok. Hop, ah oui, donc du coup, ça prend un petit peu de ressources. Voilà. Donc tout ça est contrôlé par des expressions. Et moi, ce que j'aimerais bien, parce que là, tu es en train de t'approcher vers moi, et je trouve qu'on est un peu proche du décor. Ouais. Si tu remontes dans les paramètres de caméra, tu as un paramètre qui s'appelle Camera Truck. Ouais. Donc, Camera Truck, c'est ce qui normalement. C'est la Dolly, quoi, ouais, qui permet de. C'est pas un zoom, hein, c'est un traveling. Si tu le mets genre vers moins 50, par exemple, on devrait être pas mal, ou même moins 80, quelque chose comme ça. Ok. Et tu peux aussi. On peut aussi animer la caméra. Donc, si tu animes la caméra et que tu me remets le truck par défaut, il va. Sur la minute que dure la scène, enfin que dure le motion graphic template, il va animer la caméra qui va faire. Alors, c'est pas un zoom, il y a un paramètre de zoom aussi, mais qui va permettre de faire un traveling vers les personnages. Très bien, ouais, c'est super. Donc là, je le démarre un petit peu loin, je vais me rapprocher dans la scène, et pendant la durée de la scène, il va gérer ça pour moi. Exactement. Et. Ouais, c'est magique. Enfin, c'est magique, c'est de l'animation. Et il y a un autre truc aussi, une autre limitation avec les graphiques essentiels. Exactement, les modèles d'objets de graphiques essentiels, c'est qu'on ne peut pas, contrairement à ceux qui sont créés directement dans Premiere Pro, on ne peut pas les restretcher dans le temps. D'accord. Donc moi j'en ai fait un d'une minute parce que généralement un plan, à moins de faire un long plan séquence, ne dure jamais plus d'une minute. Mm-hmm. Mais si tu vas dans les editing settings, ouais. Tu vois que tu peux changer la durée. Ce que ça va faire, c'est que si on dit que ce plan va durer 15 secondes et qu'on met la durée sur 15, c'est pour l'animation de la caméra, elle va durer de 0 à 15. D'accord. Et comme ça, toi, tu peux ensuite recropper. Je peux recropper ici, je me mets à 15. C'est ça. Hop, je me mets à 15, je fais mon W pour cropper mon plan. Et voilà, et comme ça, ton mouvement de caméra dure bien jusqu'à 15. C'est ça. Ouais, c'est pas mal. Tu peux aussi ajouter de la profondeur de champ. La profondeur de champ, ce que j'ai fait tout à l'heure, j'étais en train de jouer avec les curseurs. Voilà. J'espère que ça vous plaît d'ailleurs. Dans le live, vous êtes toujours tous là, vous êtes en train de regarder. Est-ce que vous avez téléchargé le Motion Graphic Template que nous a proposé Sébastien ou pas encore? Est-ce que vous aviez déjà vu ce genre de choses? Et imaginez faire votre animatique directement depuis Premiere. Allez, un petit oui, un petit non, parce que c'est quand même mortel le fou. Et en attendant les 30 secondes de lag entre ce qu'on dit et les réponses, si tu vas tout en bas de mon panneau, ouais. Tu as un petit truc qui s'appelle Fine Tuning. Ah. Et donc tu peux là aussi mettre des courbes sur les mouvements de caméra pour les améliorer. On va parler du vent juste après. Mm-hmm. Tu peux changer la qualité de la profondeur de champ. Donc là, d'accord. C'est un normal, mais on peut le mettre. C'est un blur normal, et sinon, c'est un caméra. Un lens blur, donc d'accord. un flou d'objectif. Un peu de bokeh, des trucs jolis. Exactement. Là, c'est du dessin, donc c'est pas très intéressant. Mais imagine qu'on remplace ça par des photos, soit des photos que le repéreur a fait du lieu où ça va tourner, soit des photos qu'on a prises sur Adobe Stock. Tu vois, histoire d'avoir une qualité un peu plus finie. Et surtout, tu peux changer l'aspect ratio. Et voilà, vas-y, mets en 2.39, on est au cinéma. Voilà, on est carrément au cinéma. Il y a les bandes cinéma en haut, en bas. C'est assez classe. Donc tout ça, je peux le faire en direct depuis mon Premiere. C'est ça. Et alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Motion Graphic Templates, il se passe un autre truc. C'est que là, on a le premier bout de scène. On aurait pu avoir un autre bout de story à l'intérieur de notre histoire, mais ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir lui demander, en remontant sur mes objets graphiques essentiels,
je vais pouvoir reprendre la suite de cette Exactement. Histoire. Parce que sous le même arbre, il peut se passer autre chose. Il peut y avoir une autre discussion. Il peut y avoir, donc, sous le même arbre, le temps qui charge, qui se rendent compte qu'elles sont en train de parler, eh bien, il y a la suite. Et elles sont en train de discuter. Voilà, là, elles sont en train de discuter. Et regarde, ce que tu vas faire, c'est que... Non, tu as juste recruté. Je le coupe. Ok, là, maintenant, tu vas cliquer tout en haut de ton Motion Graphic Template. Ouais, je vais réduire un tout petit peu juste pour éviter le ratage. Donc, je vais tout en haut de mon Motion Graphic Template. Ouais. Voilà, et là, il y a marqué Int. Ouais. Clique sur OK. Je clique sur Int. Ouais. Okay. Et hop, on est en intérieur. Et donc là, je suis vraiment chez Mireille. Là, on est chez Mireille. Tu peux d'ailleurs... Du coup, vu que moi, je vais voir Mireille dans cette histoire, le deuxième personnage, ce sera plus Mireille, ce sera moi. Exactement. Mireille, est-ce que Mireille est la blonde à droite ou la brune à gauche ? Petit sondage pour vérifier que tout le monde est là. Donc, Mireille, vous écrivez Mireille blonde ou Mireille brune. Et comme ça, je vais choisir lequel je vais être derrière. Exactement. Je vais pas mettre beaucoup de profondeur de champ. C'est ça. Et pendant qu'il cherche, tu peux dézoomer un tout petit peu. Parce que y a un petit truc. Je dézoome à la fin. Ah non, c'est l'animate. Ou même sans animer, hein, d'ailleurs. Ouais, on peut avoir... Le zoom. Je suis sur le Y. Ah oui, tu traques... Oui, elles sont à l'envers. Pardon, enfin, c'est pas qu'elles sont à l'envers, c'est que les... Voilà. Hop, donc je dézoome ici. Voilà, et on a, tu vois qu'on a une vitre, ouais. Si tu vas, qui est sur la droite. Et par exemple, si tu dis dans ton time of day, mais qu'il est 23h, parce qu'on a dit qu'il faisait nuit, donc mets 23h, par exemple. J'ai mis 23h, on voit bien la fenêtre. Time of the day, 23h. Donc visiblement, tout le monde est d'accord pour que Mireille soit la brune. Très bien. Mais pour l'ordre de ma séquence, je vais pouvoir revenir sur les personnages. Donc on était sur caractère 1, excuse-moi, je sais que personnage, tu veux faire oui, caractère... Ah non. Caractère 1, on va le faire là. Donc c'est bien Mireille à droite. Et moi, j'étais caractère 3, voilà, à gauche. Je vais lui demander d'avoir un face left. Non, j'ai pas besoin de facelift pour celui-là. Voilà. Ah si ? Ah oui, oui, très oui. Bien. Et du coup, on peut faire notre truc. Et le time of the day influe sur le jour-nuit. Et d'ailleurs, si tu remettais à l'extérieur, si on se retrouvait encore dans la forêt, là, si tu enlèves le hint, tu as la nuit aussi sur la forêt. C'est un peu la nuit américaine, parce qu'on les voit, on sent bien que ça a été filmé en plein jour. C'est ça. J'ai laissé volontairement les personnages en blanc, parce que quand tu fais du storyboard comme ça, ce qui est important, c'est les personnages, c'est eux. Donc si tu les noies dans le noir de la nuit, etc. L'idée, c'est pas juste de faire du dessin animé, c'est de pouvoir vraiment... C'est ça. Et puis ça, là, on parle de dessin animé depuis tout à l'heure, mais ça, c'est aussi fait dans le live. Surtout sur les séquences d'effets spéciaux. Mais ce qui est très bien, c'est que par exemple, tu veux faire un court-métrage avec tes potes le week-end prochain, tu peux très vite commencer à bosser ton histoire, tes cadrages et tes trucs un peu comme ça, parce que là on le montre vite fait, mais il y a pas mal d'options de caméra pour faire donc on peut faire du pan, on peut faire du truck, on peut faire du zoom, donc pour ceux qui veulent faire du dolly zoom, ils peuvent le faire aussi en gérant les deux paramètres. On peut vraiment préparer son tournage, et comme ça quand les potes arrivent, on sort tous les téléphones et on filme le truc, ou les appareils photo en fonction du matériel de chacun, mais on peut vraiment préparer. Et du coup, moi, je peux compléter mon truc. Je viens te revoir le soir. Et voilà, j'ai vu Mireille, je suis le soir. Et il fait moche, par exemple, à 80%. 80% moche. Allez, 80% de moche. Tu nous as intégré quoi, de la pluie ? Là, il y a de la pluie, et si on voit, tu vas voir, une fois que ça s'est affiché... Une fois que ça s'est calculé... Ah, remarque, c'est du flou. Ah, super. Ah, il y a de la pluie, et il y a aussi des nuages qui sont arrivés. Et la direction de la pluie et la vitesse de déplacement des nuages sont... de la vitesse du vent qu'on avait calculé. Exactement. Et on peut flipper le vent si on veut le mettre de l'autre côté. Très pratique pour des champs contre champs. Tu pourrais imaginer, voilà, hop, faire un champ contre champ entre les deux personnages et changer du coup juste la direction du vent. Et comme ça, on est pas mal. Très bien, bah c'est nickel. C'est un peu magique, en fait, cette chose-là. Alors, je vois qu'il y a des discussions dans le chat. Je pense que la personne qui vient d'arriver n'a pas cliqué sur le bouton direct. Et du coup, elle est en train de regarder le début où on s'est galéré pendant 2 minutes sur le son. Mais ça va revenir, pas de souci. Donc, l'ensemble des éléments qui évoluent sont-ils dessinés à l'avance, nous demande Alexandre. Bien sûr qu'ils sont dessinés. Oui, alors tout ça c'est Anthony. Moi, je lui ai demandé de me faire deux décors, un décor intérieur, un décor extérieur. Ensuite, moi, j'ai découpé à l'arrache dans Photoshop. Et je lui ai demandé de me faire deux personnages féminins, deux personnages masculins. Là, il se trouve qu'on a énormément de chance. On a écrit une histoire qui se passe sous un arbre et qui se passe en intérieur. Quel hasard Mais quel hasard heureux.
le donc ça c'est bien quand on sait pas dessiner ou qu'on n'a pas les ou qu'on n'a pas pas ce qu'il faut pour le faire. Mm-hmm. Mais admettons toi tu sais dessiner un petit peu. Ça peut arriver, ouais. Ou t'as envie de ou t'as pris des photos de tes potes que t'as détouré que t'as envie de faire un petit truc un peu rigolo. Mm-hmm. J'ai filé le fichier After Effects avec. Mm-hmm. Et du coup, ce qu'on voit d'ailleurs dans le fichier After Effects, je suis en train d'ouvrir ce que vous aurez sur la page, donc story underscore adobe de tvc.cm. J'ai ouvert le petit lien et du coup, on voit exactement ce qu'il y a dedans. Voilà. Et ce qui est intéressant, alors je l'ai fait, je l'ai rangé de façon, si tu veux passer sur mon écran, j'ai organisé les choses voilà. De façon un petit peu claire avec des. J'ai killé un peu la preview, mais avec des choses de couleur. Par exemple, les nuages sont bleus, tout ce qui est décor champêtre, c'est vert, tout ce qui est intérieur, c'est orange. Et tout est dans des pré-comp, donc il suffit juste, si vous n'avez pas envie de développer le Motion Graphic Template et juste reprendre la base, mais mettre vos éléments de décor, vous avez juste à remplacer les contenus qu'il y a dans ces pré-comp-là. Directement avec un dessin dessus. Exactement, avec un dessin ou avec une photo, hein. Encore une fois, dessin parce que les storyboards généralement c'est dessin, mais on peut mettre des photos, on peut imaginer que ben il y a des magnifiques photos sur Adobe Stock par exemple qui correspondent mieux à l'ambiance, ben voilà, tu vas dans Photoshop, tu la découpes pour faire tes différents effets de parallaxe, on n'est même pas obligé, moi j'ai pris le soin de faire de la parallaxe pour que ça soit un peu plus joli et pour laisser plus de choix aux personnes qui veulent le modifier. Mais le projet After est là. Vous pouvez modifier les expressions aussi si vous voulez refaire, ou même juste vous en servir de base pour faire un Motion Graphic Template. Et j'ai vu la question de Daniel, combien de temps pour développer ce Motion Graphic Template? Je dirais 2-3 jours. C'est pas tant la complexité des expressions à écrire que plutôt l'organisation, comment faire en sorte que ce soit à peu près propre. Sachant que pour tout ce qui est mouvement de caméra, j'ai utilisé la caméra multipan de Duik. Donc Duik, qui est un script gratuit et aussi open source, développé par Duduf dont on parlait tout à l'heure. Qui est à la base un utilitaire pour faire du rig de personnages, mais qui a des options de caméra. Et j'ai utilisé ça pour gérer tous les mouvements de caméra. Hein. C'est, si on est sur ma fenêtre, voilà, tu vois, tout ce qui est marqué L0, 4, 5, 6, tout ça, c'est généré par le script de Duik. Est-ce que je l'ai là sur mon laptop? Oui, voilà, je vais montrer vite fait. Alors, est-ce que c'est ceux qu'on trouve sur Rainbox Prod? C'est exactement, ce sont ceux qu'on trouve sur Rainbox Prod. Hop, voilà, la petite interface de Duik 15. Voilà, pour ceux qui en auraient besoin, je vous mets le lien vers... Voilà, et donc il y a l'icône multipan, et on peut faire ce qu'on appelle un multiplan. Le nombre de plans qu'on veut... Le nombre de plans qu'on veut, on peut rajouter plus loin, et en fait, ça va créer, en gros, des objets nuls sur la profondeur, et qui seront connectés à... une fausse caméra, et ça permettra de gérer les index, les parallaxes, et voilà. Et pour vous montrer, c'est tout simple, c'est sur chacun de ces calques, je vais effet contrôle, je vais le mettre là, il y a un petit... Alors je sais pas comment tu fais toi pour zoomer dans l'interface. Sur Mac. Ah si, attends, non, merde, je sais qu'il est... Tu peux dézoomer sur le PC, c'est pas mal. Non, il y a un truc que oui, ok, on s'en fout. C'est dans les options d'accessibilité. Non mais il y a un truc sur Windows, j'ai oublié ce que c'était, bon c'est pas très grave, il y a un paramètre qui s'appelle caméra influence, et c'est ça qui règle les effets de parallaxe, donc... on peut même remodifier ça à la main si on veut qu'il y ait un décor qui soit vraiment très 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 loin ou très 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 proche, et changer la dynamique créée automatiquement par ce script. Mais voilà, donc ça permet aux gens qui veulent par exemple raconter des histoires de cornichons, avoir un cornichon homme et un cornichon femme, et l'histoire se passe dans un bocal par exemple, avec plutôt qu'un local, un bocal, et plutôt que les humains qui vont mourir parce que l'eau monte et qui vont mourir étouffés, bah là c'est le bocal est percé, il se vide et les cornichons vont se dessécher. Voilà, bah, s'ils veulent faire ça, ils peuvent changer les personnages par des cornichons. J'espère que quelqu'un le fera, honnêtement. Je me demande si quelqu'un va prendre le temps. Je pense notamment par exemple sur Motion Café, il y a quelqu'un qui demande si tu dormais un peu la nuit, Sébastien. Je dors la nuit de temps en temps, oui. Oui, bah oui, si, il faut dormir la nuit. Ce qui me permet d'ailleurs, alors pour ceux qui trouvent que le trait
Et le dessin qu'a utilisé Anthony Ménard, donc qui est ton illustrateur pour ça, sont très intéressants. Voilà, on va essayer de, je vais essayer de limiter ma quantité de jurons. Tu veux dire que tu vas nous dessiner un cornichon pour remplacer un des personnages? Je pourrais carrément faire ça. Je suis en train de lancer Photoshop. Il est en train de me charger Lightroom, enfin les photos Lightroom, mais j'en ai pas besoin. Ah, quelqu'un est venu Windows Plus ou Windows moins. Eh ouais, merci. Merci Alexandre. Windows plus ou Windows moins, vas-y. Voilà, Windows. Alors du coup, ça y est, c'est retout cassé, mais ça m'a fait la loupe. Ouais. Ah non, merde, c'est parce que c'est After qui a repris le truc, mais. Ah, elle est là, ma loupe. Voilà, Windows plus ou Windows moins. Pendant ce temps-là, moi, je peux créer mon dessin, et du coup, je pourrais quasiment faire intégralement cette réalisation. Pourquoi ? Parce que. Depuis la dernière version de Photoshop, on a dans le mode peinture ou dans tout un tas d'autres modules, on a accès aux brosses de Kyle Webster. Et les brosses de Kyle Webster, elles sont superbes. Moi, j'en ai sorti ce que j'ai appelé mon subset pour récupérer tous ces pinceaux. Si tu veux imiter Anthony, c'est un pinceau Kyle Webster. Ah, lequel ? Parce que maintenant, tous les c'est pinceaux le Webster crayon sont... 4H. C'est le crayon 4H. Alors, donc, c'est Pencil 4H. D'accord, voilà, j'ai un fusain Ultimate qui va être plutôt pas mal pour ça. Donc, si je veux faire, par exemple, hop, on va rester un peu dans notre thématique, hein. Un cornichon. Donc j'ai un cornichon, il y a un personnage cornichon pour notre histoire, et je vais pouvoir le réutiliser et je vais pouvoir justement faire dessins hyper super. Bien. Ah bah attends, c'est tout l'avantage d'avoir la tablette. Voilà, moi je n'ai pas pris ma Wacom avec moi ce matin. Je n'ai même pas pris ma version CC 2018 de première avec moi, désolé encore. On ne peut pas tout avoir, mais en tout cas, vous voyez qu'il y a, pour les utilisateurs de Photoshop, il y a moyen de faire des trucs assez rigolos. Je peux aller chercher que ce soit les pinceaux humides, que ce soit les watercolors, les aquarelles. Il a fait un super boulot. Le mec, il va nous faire un Picasso ou un Monet avec juste un cornichon. Et le tout dans Photoshop. Donc hop, V, voilà. Plus, voilà, comme ça on mélange, on garde la couleur. Et je pourrais utiliser ce personnage à l'intérieur de mon script. La surpuissance des gens qui ont du talent. Voilà. On essaye un petit peu, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, il y a des matins où on se demande si on va y arriver. Puis là, ça a l'air de passer. Hop, qui m'a dit le concombre masqué ? Hop. Tac. Ouais, c'est pas mal. On est pas mal, hein. Il y a encore un peu de boulot, ça fait un siècle et demi que j'ai pas lu ce truc. Mais donc bon, alors comme... Continue, remplace si tu veux. Moi je voulais juste dire, donc c'est disponible, donc je le donne, c'est vous pouvez l'utiliser gratuitement, il y a aucun souci. Juste ne pas utiliser les designs d'Anthony dans un projet commercial. Vous pouvez l'utiliser pour storyboarder un projet commercial, mais... pas que les dessins soient utilisés. Ouais, si vous pouviez éviter aussi de le revendre également, hein, ça serait sympa. C'est sympa. Hein. Voilà, mais faites-vous plaisir, chopez-le, modifiez-le, mettez-le à votre sauce et prototypez des histoires, parce que on a tendance à toujours voir le scénario comme quelque chose d'écrit fini et ensuite on fait le tournage. Et souvent quand on fait du storyboard entre deux et qu'on prototype comme ça, on va se rendre compte de problèmes. Qui sont souvent des problèmes de rythme. Parfois, on a des dialogues qui claquent et des super trucs, puis on se rend compte qu'une fois mis en place, c'est un peu chiant et un peu long. Sachant que bon, là, on l'a pas fait, mais on pourrait rajouter super facilement depuis Premiere, on peut enregistrer des voix off dans Premiere, et donc on pourrait enregistrer les lignes de dialogue qu'on lirait depuis le panneau story. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'avoir les choses dans le contexte. Dans Premiere, on pourrait enregistrer les dialogues, comme ça nous permet de timer correctement nos planches de storyboard animé, d'animatique, et on serait au top. Ah oui, toi tu remplaces directement comme ça, quoi. J'y vais à la bourrin. Tu vas à la bourrin en remplaçant les fichiers sources directement. Directement les fichiers sources d'After. Et du coup, quand je rouvre le projet After, qui est là, c'est ça. Le AEP. Normalement, si je regarde notre scène, qui pour l'instant est en mode je vois pas tout le monde, on va voir les femmes 0. C'est t'as modifié le H02, c'est ça ? Ouais. Le homme 02, donc c'est le caractère 4 dans le. Si tu vas dans la précomp. J'ai trouvé la bonne précomp. Ah oui, tu peux afficher le motion graphic template d'ailleurs dans After Effects. Il est présent dans le fichier que tu nous as donné. Tu vas dans fenêtre et c'est encore Essential Graphic, hein, panneau.
objet graphique essentiel. Voilà, donc tu peux changer aussi les paramètres, ça... Et du coup, donc, ouais, si je me mets sur le TV Storyboard, je n'ai plus qu'à venir choisir exactement les mêmes réglages de préparation. Donc choisir mes personnages, où êtes-vous? Vous êtes un, deux personnages, les caméras settings, c'est fait. Les personnages, un, et eh bien je souhaite utiliser le 4. Et tu vas voir, normalement tu devrais avoir un cornichon. Ce qui est très, alors en fait c'est très pratique d'avoir ce panneau, bah, déjà c'est le panneau qui sert à faire l'autoring hein, du Motion Graphic Template, à mettre les paramètres en forme et tout, et ça permet de tester aussi que tout fonctionne bien. Et là si tu voulais l'exporter, tu ferais exporter le modèle d'animation graphique. Tout à fait. C'est un projet enregistré, oui je veux l'enregistrer, je l'exporte. Et je vais l'exporter comment? Bah, il va intégrer en fait ma bibliothèque CC, je pourrais travailler avec, je pourrais fabriquer le contenu. Alors tu verras, je voudrais juste attirer l'attention sur les deux avertissements de compatibilité depuis la CC 2018, et c'est assez intéressant. M'avertir sur le modèle d'animation graphique utilise des polices non disponibles sur Tilekit, bon ça permet d'éviter les problèmes de Tilekit. Et ensuite m'avertir si After Effects doit être installé afin de personnaliser. Si vous checkez les deux, et que les deux fonctionnent, et que vous n'avez pas d'avertissement, ça veut dire que le Motion Graphic Template, il va tourner nativement dans Premiere. Vous n'aurez pas besoin d'After Effects. Ça ne va pas lancer un After Effects caché dans le fond. Dans la CC 2018, le moteur d'After Effects est intégré dans Premiere. D'accord. Et donc j'ai essayé d'utiliser... Tous les effets ne sont pas encore supportés nativement dans Premiere, mais là, tous les effets qui sont utilisés dans celui-là sont nativement dans Premiere. Donc ça permet d'être plus rapide. Si jamais il y a un des avertissements si vous avez un avertissement, ça va fonctionner. C'est juste que ça va du coup faire comme sur la CC 2017, lancer un after derrière, donc ça sera un peu moins rapide. Mais voilà. Donc moi, je viens d'enregistrer mon Motion Graphic Template et je peux retourner l'utiliser dans mon Premiere. Il devrait être présent, si je me remets en mode sans sélection, sans rien, il doit être présent là-dedans, dans les parcourir, et j'ai bien celui-ci. Je peux le glisser, et j'ai pu personnaliser intégralement avec des vrais personnages cool. Et voilà. Notamment, hop, on va le sélectionner, et vous avez le cornichon. Exactement. Donc, je pense qu'on vous a donné quand même un super grand... un super bon truc là-dedans. Pour ceux qui ne connaissaient pas bien les motion graphiques, les objets graphiques essentiels, pardon, les points Mogurt. Mogurt, tu le fais Mogurt, comme Mogurt. Yogurt, mais exactement. Avec un M, Mogurt. C'est ça. À ne pas réutiliser pour le commun des mortels. Ce contenu, vous voyez, vous avez un panneau, donc menu fenêtre, objet graphique essentiel. Et dans l'objet graphique essentiel, vous avez pas mal de petits sous-dossiers, notamment dans les lower thirds, donc dans les tiers inférieurs. Et si vous souhaitiez faire, par exemple, une news ou un basique, j'ai classic image caption ou classic lower third one line. Je vais pouvoir glisser mon élément ici, par exemple. Et vous allez voir que, du coup, j'ai insert name here. On va zoomer un tout petit peu sur cet élément-là. Et vous allez voir deux trucs. Donc là, je suis parti sur un dossier. Donc on a utilisé avec Sébastien un Mogurt vraiment complexe. Mais il y en a des beaucoup plus simples. Et là-dedans, par exemple, vous voyez, il me dit insert name here. Et il y a une petite animation toute simple au début que je peux, sur laquelle je peux travailler. Je vais venir cliquer dessus. Et il me dit, ben voilà, quand je le modifie, insert name here, je vais pouvoir demander, ben, avec tout simplement mon outil texte, par exemple, cornichon. Voilà, on est bon là. Mais c'est ça, tu on est bon. Suffisamment. Super cornichon. Ouais. Il a un masque quand même. Faut dire super cornichon. Non, fallait juste dire cornichon. Donc, voilà, c'était bon. Tout ça n'est qu'une blague parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je dise cornichon pendant ce live. Je tiens à remercier la Motion Café pour ça. J'espère que la prochaine fois ils trouveront des mots un peu plus compliqués et rigolos à caler quand même. Cornichon, c'est vraiment facile. Là, on a géré, mais de manière tellement simple. Par exemple, si j'avais dit tractopelle, t'aurais bien galéré. On aurait fait une session de 4 heures sur toi en train de dessiner un tractopelle. Je suis super fort à dessiner des tractopelles. Et vous voyez que ce Motion Graphic Template, en fait, on peut l'utiliser pour plein de choses. Lui aussi a été fabriqué à l'intérieur d'After et il a permis justement de développer en fait et il a permis de préparer des contenus que vous allez utiliser dans Premiere. Si vous avez pour une interview le cornichon qui arrive, vous voyez que là il va parler pendant un certain temps. Je peux réduire ce Motion Graphic Template et regardez bien ici les images clés en fait vont être figées, c'est-à-dire que l'animation de disparition va durer le même temps parce que sur un Motion Graphic Template, je règle
la durée de l'introduction, la durée de la conclusion. Voilà, ça c'est que sur ceux qui sont faits dans Premiere et pas ceux qui sont faits dans After Effects. On espère que ça arrivera un jour dans After Effects. Ouais, est-ce que tu me permets de répondre? Je vois, il y a quelques questions. Alors, on va prendre des questions. Pour Scope, le thème c'est storytelling avec Adobe Story, Premiere Pro et After Effects. Donc on voit comment faire un petit storyboard animé rapidement avec les Motion Graphic Templates. Pour Joël, qu'est-ce qui n'est pas supporté nativement par les Mogurt à part les modeurs de rendu Ray Trace et C4D? Il y a certains effets natifs comme le Lumetri, parce qu'il y a quelques subtilités, quelques petites différences entre le Lumetri dans Premiere et dans After, donc il n'est pas supporté nativement. Donc il y a quelques effets comme ça, et quelques vieux effets After, genre les certains CC effects, les Cycor effects, qui ne sont pas supportés nativement. Et pour Manish, sorry Manish, we are not doing character animation right now on the feed. If you'd like some help, maybe you can try the official Adobe forums. I guess you can have information there, or some you will have some help on the motion designer community in English. Just look for that on Facebook. They have like a huge community of English speaking people that can help you with that. Sorry for not being really helpful with that. Voilà. J'ai remis le lien pour Manish en anglais pour qu'il puisse avoir très bien accès à tout ça. Et ne surtout pas oublier le cornichon. Et ne surtout pas oublier le cornichon. Donc j'ai tout vu à fait. Stéphane nous avait posté les liens des pinceaux de Kyle Webster qui vont tout à fait vous servir pour ce genre de besoin. Tiens, on n'a plus d'écran ici. Ah oui, je n'ai plus d'écran. Oh là là. Oui, c'était ma petite compo After. Et puis, je pense qu'on a pas mal avancé. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter encore? Parce qu'on s'est dit plein de choses, mais je suis sûr qu'on peut On s'est dit plein de choses. Sur les Mogurt. Donc là, j'ai bien l'apparition de mon personnage Cornichon avec sa petite anime. Si je le duplique, Alt, glisser, je reviens ici et je veux dire qu'en face, j'ai Mireille. Lorsqu'on faisait des titres avant sur Premiere, c'était jamais simple parce qu'on se retrouvait avec, dans notre projet, des tonnes et des tonnes de titres pour pas grand-chose. Là, on va bien avoir le motion graphique qui parle du cornichon, qui parle de Mireille. J'ai bien moyen de timer et de retimer justement l'arrivée dessus de la séquence. Donc tout a été vraiment simplifié. Ouais. Et si vous êtes très sage... Si on est très sage. Si vous êtes très sage. Ensuite, je suis en plus de même pas de vous montrer le bon écran. Donc j'ai dupliqué pour Mireille, j'ai changé son nom et je n'ai pas augmenté dans mon projet le nombre d'éléments qui seraient présentés. Si vous êtes super sage, vous pouvez aussi aller chercher d'autres objets graphiques essentiels à l'intérieur d'Adobe Stock. Oui, et là, j'ai fait on a fait un avec des personnages et des décors, incomplet, parce que l'idée c'était d'avoir quelque chose que tout le monde ait un peu de matière pour commencer à travailler, mais on aurait pu imaginer un motion graphic template avec que des personnages et un autre avec que des décors, les superposer, puisque ça gère la transparence, et compositer le tout comme ça. Alors, si vous avez besoin de ça, vous irez voir dans votre panneau bibliothèque. Vous allez chercher, alors là je me suis fait une bibliothèque qui s'appelle Adobe Stock, c'est juste pour ranger, mais dedans je peux aller rechercher soit des éléments de mes bibliothèques, donc sur ma machine, soit directement rechercher, hop c'est ici, alors effectivement quand je zoome il me fait des petits glitches, il n'aime pas trop que je zoome et que j'utilise la caméra en même temps. Et surtout, vous dépliez les résultats sur Adobe Stock et vous lui demandez bien d'aller chercher des modèles. Et vous voyez que quand je vais chercher modèles, je vais avoir des éléments qui vont être gratuits, qui seront sympas et que je peux utiliser à tout moment. Et j'ai des éléments qui sont premium avec un petit peu plus de contenu dessus. Si vous avez besoin de les prévisualiser, je crois que pour l'instant, il faut encore cliquer dessus. Mais un jour, on finira par y voir. J'en profite pour répondre à la question de Christophe. À quand un prochain livre sur After Effects, Sébastien? Eh ben, c'est pas prévu du tout. Déjà, vous n'avez pas été assez nombreux à acheter les premiers. voilà pour ça. Non, plus simplement, c'est tout bête, c'est que avec tous les tutos en ligne et toute la démocratisation du partage du savoir sur Internet, le After Effects en France reste un marché de niche comparé pour les livres, hein, comparé à tous les lecteurs. Du coup, faire des livres qui abordent
un sujet précis dans After Effects, comme c'était le cas avec mon livre sur les expressions, c'est encore un marché plus petit et qui n'est pas vraiment viable pour les éditeurs. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de sortir des livres. J'en suis bien, bien triste parce que j'aime bien avoir un support papier. Donc à part les gros livres tous les ans sur comment maîtriser l'ACC 2017, 18, 19, 20 et qui sont des gros bouquins qui sortent voilà, tous les ans ou tous les ans et demi, il y aura pas grand chose malheureusement, sauf s'il y a un éditeur parmi nous qui me propose d'écrire un bouquin, et auquel cas why not. Tu et veux puis dire un éditeur qui n'aurait pas encore décroché parce qu'on lui montre que des trucs de ouf sur After Effects. C'est ça, et je suis vraiment désolé. Alors je sais pas si c'est JI ou JL. Ouais. Toi, c'est le problème du I ou du L, on sait pas si c'est capital ou pas capital. Je vais dire Jules, je suis désolé, j'ai oublié cornichon en anglais, donc je te le fais avec un petit accent. Cornichon. Voilà. Ah, parce que tu devais le dire en anglais. Non, mais c'est parce que comme j'ai parlé en anglais tout à l'heure, a priori, il aurait fallu que je parle du cornichon. C'est vrai, pickles. Pickle cucumber. Pickle cucumber, exactement. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Là, je vous ai parlé des bibliothèques, du fait que vous puissiez aller chercher vos modèles directement dans Adobe Stock. Donc voilà, Title, c'était pas mal. Ou Lower Third, c'était bien aussi. Hop, Lower Third. Ce que je peux te proposer, c'est si jamais vous avez des questions à poser, parce qu'il nous reste une petite dizaine de minutes. Voilà, et puis pour ceux qui... Alors bon, il nous reste qu'une dizaine de minutes. Si jamais vous voulez discuter plus amplement des motion graphic templates avec moi, je suis globalement présent sur Motion Café. Ah, tout à fait. Voilà, qui est une communauté très chouette sur le motion design et sur After Effects plus particulièrement. Donc je traîne assez régulièrement sur les forums, mais aussi sur le Discord, qui est un truc de chat en live. Donc voilà, si vous avez des questions plus sur ça, pour parler storytelling et storyboarding et tout ça, n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Les gens sont sympas. Ils me demandent de dire cornichon, mais à part ça, ce sont des gens très bien. Donc oui, allez sur Motion Café. Je n'ai pas d'action chez eux. Hein. Je ne fais pas partie des fondateurs ou des organisateurs. Hein. On m'a invité là-bas gentiment. On a fait deux émissions d'ailleurs, une émission sur le storytelling et une interview de ma pomme à l'époque de Mythomen. Donc si jamais vous voulez plus d'informations sur le film ou plus d'informations sur le storytelling en général, il y a deux émissions chez eux là-bas. Mais voilà, c'est quand même un forum sympa où il y a plein d'infos. Ouais, s'il y a pas trop de questions là maintenant, je veux bien qu'on repasse un peu sur Story, parce que pour l'instant on a vraiment montré que la base, et j'aimerais bien qu'on montre un peu la partie planification, si ça t'embête pas. Mais ça m'embête complètement. Ça t'embête ? Non. Voilà, ouais, parce qu'il y a un truc en fait, quand on est en train de travailler sur le Story, enfin je dis planification, c'est effectivement, on n'a pas parlé du gros tableau Excel qui sauve la vie des producteurs. C'est ça. Donc dans planification. T'es bon ou t'es pas bon ? Je l'ai pas créé dans planification mon script. Ah zut. Non mais par contre on peut. Ah non, par contre on peut générer des rapports. Non, parce que théoriquement, voilà, si créer une planification. On va l'appeler Seb et Franck. Mm-hmm. Là, je me disais aussi. Hop. Alors, voilà. je vois d'ailleurs que quelqu'un me parle de la conférence du HIC au besoin, j'ai mis les liens dans la description, hein, n'hésitez pas. Oui, effectivement, on parle de la production du film, donc de tout ce qu'on a fait. La première conférence de 2015 est sur le trailer que vous avez vu avec un son pourri au début, et la deuxième conférence c'est sur tout ce qu'on a fabriqué depuis le trailer, et ça revient notamment un peu sur le storyboard et sur la fabrication. Alors du coup, ouais, donc là on est revenu sur Story, pour ceux qui cherchaient, pour ceux qui voulaient reboucler un petit peu la suite. Sur Story, tu as juste cliqué sur créer une planification. Exactement. Et ça permet pour un tournage en fait de retrouver les différentes scènes que tu as écrites, qu'on a écrit d'ailleurs à quatre mains. Exactement. Retrouver sur chaque scène les différents personnages qui vont être utilisés, qui vont être présents, qui ont des dialogues. Retrouver éventuellement les durées.
j'ai arrivé à sélectionner l'entre-deux. Ouais. Voilà, durée de projection. Tac. Durée de projection, le nombre de pages du scénario. S'il est, alors, parce qu'il faut savoir, c'était un truc que j'avais découvert avec Younes, c'est qu'un scénario de cinéma, c'est une page, une minute, c'était ça ou... C'est la moyenne acceptée. Après, en fonction de son style d'écriture, on a certains qui vont mettre beaucoup de détails dans les paragraphes, ce qu'on appelle les paragraphes d'action. Donc, c'était quand je marquais Sébastien et Franck sont sous un arbre en train de discuter. Parfois, c'est important de mettre beaucoup de détails parce que c'est ça qui va suggérer aussi la mise en scène derrière. Mais en moyenne, c'est une minute effectivement par plan, enfin par page. Et quand on fait le calcul, d'ailleurs, je n'ai pas montré, mais si je vais dans le scénario, si je retourne dans Seb et Franck, on peut. Ah oui, non, c'est parce que je suis dans la planification. Mais si je retourne dans Script, CB Franck sous un arbre, on peut activer l'affichage de la durée des scènes. Ouais, tout à fait. Qui n'est pas basé sur une page, une minute, mais qui est basé sur. Alors attends, c'est dans quoi ? Ah, tu vas pas me dire qu'ils me les ont enlevés ? Non, pas envie, c'est alors voilà, durée de plan, donc on va faire durée cumulée. Donc voilà, alors on a fait des scènes qui durent quasiment rien, hein. Elles sont très petites. Elles sont pas très très longues, mais surtout elles sont à zéro, mais c'est toi qui renseigne le temps. Non, normalement ça doit le faire automatiquement. D'accord. Donc, il y a un outil vraiment pour calculer cette durée. Oui, attends, si on fait durée de projection. Non, normalement ça aurait dû mettre là que ça dure 10 secondes. Tu vois, affecter une durée. Ah, ça le fait peut-être plus automatiquement. Mais normalement. Ou alors c'est qu'on a raté des trucs, comme on n'a pas changé forcément, on a fait des cuts dessus. Il y a peut-être un. Ouais, on a dû faire un. Tiens, j'en profite, là je suis sur numérotation des scènes. Numéroter les dialogues, c'est très important parce qu'on oublie souvent des dialogues. On oublie des dialogues et on paye les doubleurs aux dialogues dits. C'est ça. Non, c'est très bête, mais c'est que tout comme un film n'est pas tourné dans l'ordre, un film d'animation, les voix sont pas enregistrées nécessairement dans l'ordre, parce que ça dépend de la disponibilité des comédiens. Même si on va dire pour le comédien principal, c'est deux jours de studio, en gros. Mais voilà, tout n'est pas enregistré dans l'ordre. Et du coup, quand tu veux vérifier que tu as bien fait tous tes dialogues, hein, tu fais une liste, tu les numérotes, et comme ça, tu es sûr de ne pas en oublier. Parce que c'est très vite dans le moment, dans l'instant présent, d'oublier des trucs. Donc oui, je sais pas pourquoi. Alors, attends, on va dire que la première scène, on l'avait fait durer 15 secondes. Non, ça va faire... Non, heure, minute, oui. 15 minutes pour juste une... Mais après, c'est cinéma français, tu vois. Cinéma français, et puis là... On a bien 15... Non, là, en fait, il me demande la durée à chaque fois. Donc, bon, et la dernière... Tiens, je peux pas rentrer dedans, j'ai fait une bêtise. Il n'est plus d'accord. Ah non, c'est... attends, hop. Ah non, c'est mon navigateur qui a décidé de plus suivre. Qui ne suit plus. Moi, j'étais en train déjà de jouer là de l'autre côté, hop. Donc j'ai commencé à revenir sur la planification. Exactement, si on est de ton côté. Est-ce que, tiens, on peut faire... Parce que là, vu que le timing n'est pas bon, du coup, la planification ne sera pas bonne. Ouais, alors je viens sur la planification de Mais par contre, clique sur Franck. C'est bien Franck. Ah oui, non, là, on était déjà dans la planification. Là, on est déjà dans la planification. Voilà comment ça s'organise. Donc il va prendre les scènes une par une, il va dire le nombre de jours nécessaires pour faire le tournage. On retrouve effectivement... je peux lui demander de recalculer. Hop. Recalculer, toutes les durées ont été recalculées, les heures de début ont été modifiées, mises à jour. Et du coup, là il se rend compte qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de... Il est rapide ce film. Il est très rapide, mais je pense qu'on a dû mal faire un truc au tout début. Je pense qu'il y a eu un petit... Il n'a pas forcément comptabilisé l'ensemble de nos éléments. C'est ça. Mais est-ce que c'était dedans qu'on était capable, en fait, sur un script, c'est ça, de retrouver même les listes ? Parce que là, j'ai les projets, j'ai les listes. Non, en fait, ce que tu peux faire... alors les listes, ce qui est pratique, c'est que tu peux mettre tes comédiens et ensuite attribuer tes comédiens à certains de tes personnages, et ensuite ça te crée le planning. Mais un truc dont je parlais au début, si tu reviens dans les scripts, et que tu coches
celui-ci. Pardon, j'ai cliqué au lieu de cocher. Voilà, et que tu fais créer un rapport. D'accord. Tu as plein de rapports que tu peux faire. Mmh. Et par exemple, on va faire analyse des personnages multiples. Ouais. On va faire OK. Ça va générer un rapport qu'ensuite on peut imprimer. Hein. Mmh. Donc là, on est chez toi. Donc. Ah, on est chez moi. Ah, très bien. On est. Ouais, non, mais comme il revient. Voilà. Voilà. Et du coup, sur chacun des personnages, là, Franck, on sait qu'il joue dans les trois scènes. Mireille, elle ne joue que dans une seule scène. Et que Sébastien joue dans deux scènes. Et ça permet... D'envisager la production. Ça permet voilà, déjà de se rendre compte aussi, de savoir dans combien de scènes est un personnage et tout. Mm-hmm. Et ça permet déjà de commencer à savoir qui va être le personnage, enfin qui va avoir le plus de dialogue. C'est ça. Qui on va mettre en premier sur l'affiche. C'est tout bête, mais c'est un peu ça. Mm. Et dans les rapports, on peut créer un autre rapport. Tac. Tu vois, on peut faire les ordres d'enregistrement studio, l'ordre de projection détaillée. Enfin, alors après, les traductions ne sont pas toujours... sont pas toujours les plus efficaces. Les plus efficaces, mais voilà, je vais créer un deuxième rapport sur celui-ci. Alors, toi, tu peux même gérer la continuité des costumes. Ouais, quand t'as un film sur lequel, bah, là, avec tes costumes de super-héros, ça va être super important. C'est ça. Tiens, il y a minutage. Qu'est-ce qu'il va me dire ? Est-ce qu'il va me dire qu'on est bien ? Est-ce qu'il va retrouver les 15 secondes que tu as rajoutées sur la scène ou est-ce qu'elles sont parties dans les limbes ? Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Non, toi, il me dit 15 secondes. Voilà, il voit que la scène principale dure 15 secondes. Générique de fin. Du coup, on a 15 secondes de film. Ça prend en compte les trucs. Et ce qui est intéressant, c'est que sur chacune, là, on voit le document est un peu plus grand, mais ça permet aussi d'anticiper, ben voilà, le temps de studio aussi, et de préparer le tournage. Donc tous ces rapports sont là pour aider à faire la phase suivante de production. Mais souvent, ça, c'est vraiment utilisé chez les grands studios, chez les chaînes de télé et tout. Mmh. Nous, quand on est les petites gens que nous sommes, je génère souvent les personnages pour savoir, pour avoir un ordre d'idée. Je génère aussi, parfois, on peut générer les dialogues personnage par personnage. Et c'est un truc super intéressant, c'est que si on génère les dialogues personnage par personnage, donc on n'a que les dialogues du personnage principal. Ils sont numérotés par scène. Voilà, ils sont numérotés. Mmh. Et on va très vite se rendre compte si le personnage n'a pas un arc. D'accord. Narratif. Je m'en suis rendu compte sur un des personnages secondaires de Mythomène où, en lisant tous ces dialogues, à la fin, tu vois que le personnage, il a juste servi à interagir bêtement et que lui-même n'avait pas d'arc dramatique. Tu veux dire que c'est là où on se rend compte que dans ton film, si le personnage féminin ne fait rien pendant tout le truc et ne sert que de faire valoir, il va se faire tacler par les analyses de films qu'on a en ce moment. C'est ça. Tu as remis plus de personnages féminins dans ton film. Ah non, il n'y avait aucun rapport avec les personnages féminins. J'ai beaucoup de personnages féminins dans mon film. Mais c'est intéressant que tu soulèves ça parce que par défaut, quand on écrit un scénario, on écrit des personnages qui parlent comme nous et qui nous ressemblent et qui ont un truc. Donc au début, Mythomène, la première version du script, c'était que des mecs trentenaires qui parlaient comme moi. Et après, c'est que des mecs quarantenaires qui parlent comme moi. Après, c'est très important. Une autre astuce que je donne, c'est que je m'emploie. Je pourrais la rajouter sur la page d'ailleurs. Je dois avoir le fichier, le Google Doc quelque part, je le rajouterai sur la page avec les trucs de story, c'est moi je fais des fiches d'identité sur chacun des personnages. D'accord. Donc je vais dire pour chacun pour le perso principal par exemple, donc il a un nom, un prénom et un nom, il a deux parents, il a ses objectifs dans la vie, il a ses succès, ses échecs, et ses choses particulières qu'il a, ses signes particuliers, est-ce qu'il a une cicatrice, d'où vient l'histoire de cette cicatrice, et j'essaye de créer des fiches d'identité sur chacun des personnages. Ça permet de leur donner déjà quelque chose de plus, c'est pas juste un personnage que tu vas croiser, il va avoir une vraie vie, et de cette vraie vie, tu vas commencer à avoir une façon de parler. Un mec qui aura fait des études littéraires, il va pas parler de la même façon que quelqu'un qui est scientifique, par exemple. Et c'est ces choses-là que toi, derrière, ça te permet de commencer pour réaliser un petit peu tout ce que tu as fait sur Mythomène. Là, je suis en train de me balader sur les pages où tu présentes chaque personnage. C'est ça.
Ça en plus, alors c'est, ça n'a pas, pas été mis à jour depuis des années, hein, ce site, parce que, bah, parce qu'il faut faire le film et pas le site. Donc les choses ne sont peut-être pas forcément toutes identiques par rapport à ce que c'est aujourd'hui, mais ça aide à créer effectivement des personnages qui sont plus riches et ce que les Américains appellent multidimensional. Et je crois que j'ai bloqué mon story. C'est pas grave, on est sur le mien. Ah ouais. Voilà, donc ouais, effectivement, on a vraiment la complémentarité. Tu racontes une histoire, tu la mets en place, tu mets le scénario en place dans Adobe Story. Tu intègres ça dans Premiere Pro, tu as utilisé les Motion Graphic Templates, donc les objets graphiques essentiels. Alors j'aurais aimé qu'on fasse le storyboard comme ça. Ça n'existait pas à l'époque, donc on utilisait Toon Boom. Toujours le truc le plus important, c'est d'utiliser les outils qui sont le plus confort pour les gens avec qui tu travailles au moment où c'est dispo. Quand on a commencé le board de Mythomen, il y avait l'option la plus confort, c'était Toon Boom Storyboard Pro. Ouais. Parce que c'est rapide, c'est efficace, et que c'était beaucoup plus simple de faire un pré-montage que de faire du Photoshop et du After. Aujourd'hui, la donne est différente. Aujourd'hui, la donne est différente. Et c'est dans... Alors, je m'adresse aux plus scripteurs d'entre vous. Aujourd'hui, un script story, c'est du format XML. Donc, ça se parse super facilement. Et tu pourrais générer à partir dans After Effects, à partir du scénar importé, tu pourrais générer et pré-organiser toutes les mogarts de storyboard et les exporter avec les bonnes durées, avec les bons trucs, puisque la création de Motion Graphic Template est dispo dans le scripting after. D'accord. Donc tu pourrais imaginer de créer automatiquement une pré-version de toutes tes scènes et ensuite les importer dans Premiere. Mais alors ça veut dire que t'es pas allé jusqu'au bout du truc et que tu l'as pas fait. Voilà. De vrai, c'est très décevant. Je l'ai pas fait parce que j'ai un film à faire aussi, parce qu'il y a plein de choses. Non mais c'est super. Il y a Mathieu Blazinski qui demande, est-ce que ça a influencé ta façon d'analyser les gens dans la vraie vie? De quoi? Alors je suppose l'usage de story, le découpage des personnages, de vérifier si les gens dans la vraie vie sans doute avaient un arc et avaient un passé, un présent. Alors ça m'a pas influencé la façon d'analyser les gens. Par contre, quand t'écris et surtout que tu travailles beaucoup tes personnages, alors gros big up, hein, comme on dit, à Élise Couturier, ma co-auteure, c'est elle qui a fait en sorte que les personnages soient des bons personnages dans Mythomen. Voilà, sans elle, j'aurais des personnages de merde, hein, on va pas se mentir. Mais ce qui est très intéressant, c'est que comme tu veux rendre unique tes personnages, t'essayes de trouver des choses un peu uniques dans les gens que tu connais. Donc je fais plus attention aux tics de langage ou aux expressions utilisées par les gens autour de moi, et que ce soit les gens que je fréquente dans la vraie vie ou même les gens que j'entends dans le métro ou dans le bus le matin. Des fois il y a des petits tics de langage ou des t'entends des bribes de phrases, tu dis ah putain, ça irait très bien avec tel ou tel personnage, ou parfois tu dis ah, cette expression je l'avais jamais entendue, le contexte de la façon dont elle a parlé, c'est très rigolo, donc je le note. Et j'ai des pages de notes comme ça, de bribes de dialogue ou de bribes de phrases que j'ai entendues et que je réutilise ou non pour les personnages. Tout à fait, ouais, c'est assez amusant de voir justement comment ça se développe et comment ça se remet en place pour tout le monde. Je vois que les questions ont l'air de se tarir, donc merci à tous de nous avoir suivis. Si vous voulez revoir une petite interview de Sébastien sur l'animation, cette fois-ci c'est une interview en anglais que tu as donnée sur les blogs du Creative Cloud. I'm so fluent, you know, it's amazing. I was in an interview on Adobe in the US and was like, oh, it's awesome. Voilà. Tu le fais tellement bien, c'est une interview papier, vous pourrez le lire. Non, c'est parce que je répète tous les making-of de Mythomen. Ah, I've got that most brilliant team and I saw this guy and I say, oh my god, that's amazing, I love working so much analysis, so much understanding, so much art, so much... Voilà, j'ai regardé beaucoup de making-of où les gens sont très très heureux de bosser entre eux. C'est ça, c'est une bonne chose. Du coup, tu ne dessines plus de storyboard du tout, demande Delphine. Je ne sais pas dessiner.
d'Anthony Ménard au début. Alors, pour être. C'est pour ça que c'est Anthony qui fait le storyboard, parce que lui a du vrai talent. Mm-hmm. De toute façon, même si on utilise les motion graphic templates Delphine, on est obligé de au moins dessiner les assets qui sont dedans. Mm-hmm. Donc là, si on avait dû faire le vrai storyboard de Mythomen de cette façon-là, il y aurait eu quand même les 70 personnages qui ont été designés, qui auraient dû les faire. En plus, là, ils n'ont qu'une pause, mais tu peux imaginer que le dialogue, la nana, elle n'est pas tout le temps sourire. Donc il faudrait faire la version, elle est contente, la version, elle n'est pas contente. Une version, parfois, ils se retournent, les personnages. Aussi, donc tu avais fait un facelift dessus. C'est ça, t'as envie, des fois ils sont de dos, des fois ils sont de face, donc il y a quand même beaucoup de contenu graphique à faire. Là, c'est juste l'avantage, c'est que si tu fais ça une fois avec un style, on va dire, plus quelconque, parce que Mythomen a quand même un style très, très ancré, mais là, si on prend le style d'Anthony, qui est on va dire un style qui va plus vers la réalité, les proportions des personnages sont correctes et tout, c'est vrai que tu peux prototyper ton histoire super rapidement comme ça. T'as pas mal de logiciels de storyboard qui ont ça, qui ont des bonhommes patates. Ce qu'on appelle le bonhomme patate, avec les traits au milieu pour avoir les volumes. Juste un stick face pour c'est ça, et qui permettent de le faire. Mais je trouvais intéressant de le faire dans Première, étant donné que nous, on monte dans Première. Je sais même pas, tiens, on va tenter un truc. Ouvre pas tout de suite, hein, mon. Tu veux juste tenter un truc hein, Je vais du teasing quand même. En attendant, donc, je vous ai passé le lien sur l'équipe derrière les Mythomen, donc c'est mytho.mn. C'est ça, un site qui n'a pas été mis à jour depuis 2015, 2016 peut-être. C'est un peu une espèce de preuve que les gens sont en train de bosser. Non, parce que là c'est que moi, donc pour suivre, je poste un peu sur Instagram. D'accord, bah ça je vais poster. Je poste un peu sur Instagram, je suis sur Twitter, donc on peut me poser des questions ou je raconte des fois des trucs. La page Facebook du film aussi, mais je me rends compte que, et c'est aussi un truc, c'est que gérer justement le contenu et partager, parce qu'on est assez ouvert sur le partage de contenu, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et au début, ma volonté c'était vraiment de faire un vrai article tous les mois, bien travaillé et tout. Sauf que c'est ultra chronophage. Donc le plus simple, c'est je fais un petit post Facebook quand j'ai un truc à dire, pendant un rendu par exemple, ou je suis devant mon écran en train de bosser sur un plan, je vais prendre une photo avec mon téléphone, je l'Instagram. C'est plus immédiat, c'est plus naturel, et ça marche mieux. Très bien, très bien. La session est en train de toucher à sa fin, sauf si ton premier fonctionne à blinde. Je vois que je suis rejoint, parce qu'il est midi, je suis rejoint par des gens qui suivent nos sessions habituelles de 10h et de 12h. Très bien. Il y a des gens qui débarquent seulement maintenant et qui peuvent être un peu déçus, mais pas de soucis. Oui. Jeudi 30, à 10h30, je reçois Franz Hoffmann de FrontSelf qui va nous montrer exactement comment fabriquer de la typo en noir et blanc, en couleur, comment gérer vraiment ce genre de contenu et comment être capable d'aller un peu plus loin. Parce que la dernière fois qu'on a, je vous l'ai présenté super, de manière super brève, je vous ai vite fait montré comment faire 3 caractères. Et pour tous les gens qui seraient un petit peu graphistes, qui seraient un peu intéressés par du caractère, du texte, n'hésitez pas à venir. Là aussi, aujourd'hui, on avait des belles surprises avec Sébastien au niveau des Mythomen. Vous allez voir que la prochaine fois, avec Franz, on va avoir d'autres surprises au niveau de la typo. Ouais, donc, et en tant que... ton écran Non, mais c'est en train de... comme ça a installé l'update, du coup, c'est en train de lancer l'update. Mais juste, je voudrais juste rebondir sur FrontSelf, que j'utilise. J'avais participé au crowdfunding. Et c'est vraiment très très chouette, et ça permet, nous par exemple dans Mythomen, on peut pas utiliser des fontes standards, dans le sens où il faut qu'elles soient au style du film, et un outil comme FrontSelf dans Photoshop et dans Illustrator, si je dis pas de bêtises, moi, j'utilise principalement sous Photoshop, ça permet de recréer des fontes dans le style du film super rapidement. Et comme on est basé, comme l'univers est autour de la pub, il faut qu'on en crée beaucoup, et c'est ce genre d'outils qui répondent à des besoins très précis comme ça, mais qui sont juste géniales et un gain de temps incroyable. Tout à fait, je vous ai remis le petit lien dans les commentaires, je vous le mettrai ensuite de contenu. Il me fait peur, le mec derrière, un peu. Ouais, non, écoute, première pro... Première, on a décidé qu'aujourd'hui, ça allait plus
faire. Non, j'aurais peut-être pas dû faire une update en plein live, quoi, tu vois, voilà, c'est ça. C'était bien tenté. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci beaucoup, yes, Sébastien. Yes, merci à toi. Merci pour le partage. Merci à tous ceux qui ont supporté une heure et demie de ma pomme. Plus d'une heure et demie de ma pomme. Et puis à bientôt. Et puis voilà, on continue. On continue. Et pour les autres, rendez-vous jeudi. Typographie, Illustrator, Photoshop. À très bientôt. Ciao. Au revoir.